Okay, thank you very much. Good morning, good afternoon, good evening to you all. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. Je m'appelle Chongyi, coordinateur de recherche auprès de l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social. Je suis en charge du programme pour les politiques publiques et le développement. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce centre, cet institut de recherche, ses activités en matière de CES. C'est en 1963 que l'UNRCD a été créée et son mandat est de mener des travaux d'études de pointe sur le développement social qui sont pertinents pour les travaux des secrétariats généraux, les organismes spécialisés et entre autres. L'Institut a une longue histoire de recherche dans l'ESS. Le premier travail de recherche a été un projet des années 60 intitulé Coopérative rurale et institutions reliées en tant qu'agent de changement planifié. Depuis lors, l'Institut a poursuivi ses travaux de recherche sur les valeurs et principes fondamentaux de l'ESS, comme la véritable participation, la démocratie et la redistribution. Depuis 2010, l'Institut a conçu et mis en œuvre plusieurs travaux de recherche se concentrant sur l'ESS. Et depuis 2015, la recherche a porté sur les modalités dont l'ESS contribue à l'atteinte des ODD et comment mettre en place un écosystème propice pour que l'ESS devienne un moyen par lequel appliquer les ODD. L'un de ces outils sont les lignes directrices pour les gouvernements locaux sur des politiques publiques en faveur de l'ESS. J'aimerais maintenant donner la parole à Laurence Quark, la secrétaire générale du GSEF, qui va prononcer des remarques liminaires à cet événement. Merci beaucoup. Docteur Inchon-Li, bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames et messieurs. C'est un honneur pour moi de vous rejoindre dans le cadre de cet événement intitulé Promotion de l'ESS par le biais de politiques publiques. Cette étude de cas est ligne directrice pour les gouvernements locaux qui se tient en marge ou dans le cadre du forum qui se tient dans la ville de Mexico. Le GSEF est un réseau d'acteurs qui souhaitent promouvoir l'ESS pour atteindre un développement inclusif et durable. Nous sommes présents dans 36 pays avec 81 membres, donc 32 sont des collectivités locales, municipalités, ainsi que des réseaux d'organisations de l'ESS. Cet événement s'attache à regarder et examiner le rôle des gouvernements locaux et nous allons apprendre les leçons livrées par les auteurs des sept études de cas ainsi que Hamish Jenkins qui a rédigé les lignes directrices pour savoir comment créer un écosystème pour promouvoir l'ESS à travers les politiques publiques. L'idée est de mieux comprendre quel est le potentiel de ces politiques publiques au moment de promouvoir l'ESS et d'identifier les différentes meilleures pratiques. Nous savons que la sensibilisation et le rôle de l'ESS pour atteindre les ODD, particulièrement dans les discussions actuelles visant à construire une meilleure relance des suites de la COVID-19. L'enjeu est important. Nous constatons une hausse du gouvernement qui adapte leurs programmes et politiques pour répondre à l'ESS et répondre donc aux besoins des enjeux.
Dans le même temps, le nombre croissant de décideurs politiques, qu'ils soient au niveau des Nations Unies, l'OCDE et l'OIT, attire une attention particulière sur l'ESS comme étant une alternative viable qui permet d'atteindre un développement plus inclusif et durable dans une ère post-COVID. Comme le secrétaire général l'a dit dans son rapport, les effets de l'ESS sont présents dans tous les secteurs de l'activité économique. Et c'est un modèle alternatif de croissance visant à trouver un nouvel équilibre entre les enjeux socio-économiques et environnementaux. L'OIT a décidé de discuter du rôle de l'ESS pour promouvoir le travail décent dans le cadre de la conférence générale de l'OIT qui aura lieu au mois de juin de l'année prochaine. Suite à la COVID-19 et la crise économique qui a frappé les services publics, entre autres, beaucoup de collectivités locales ont une soif d'apprendre davantage des politiques publiques qui sous-tendent l'ESS et demande au GSF de mettre en place des programmes de renforcement de capacité. Nous avons cette année réalisé 3 programmes de cette nature pour des pays francophones en Afrique, mais également pour les pays européens, 2 semaines de formation pour les pays anglophones de l'Afrique de l'Est et lundi de cette semaine, nous menons également un programme de renforcement des capacités pour le gouvernement des Philippines. Donc, l'intérêt augmente pour mieux comprendre les approches écosystémiques en faveur de l'ESS par le biais de politiques publiques. Mais il demeure un grand nombre d'obstacles pour intégrer et concevoir un cadre d'action politique véritablement en faveur de l'ESS et pour qu'il soit particulièrement intégré dans les processus de gouvernance au niveau local. En l'absence d'un cadre juridique et politique dédié à l'ESS, qui est une condition préalable pour promouvoir les politiques de l'ESS, eh bien, on comprend que beaucoup des fonctionnaires des collectivités locales font face à beaucoup de difficultés pour s'y employer. Je suis convaincue que la réunion d'aujourd'hui, avec les orateurs que nous entendrons s'exprimer sur les 7 études de cas, ainsi que Hamish, qui est l'auteur des lignes directrices, nous permettra de mieux comprendre quels sont les éléments essentiels dont il faut tenir compte au moment de co-construire et mettre en œuvre les politiques publiques, particulièrement en partenariat avec les acteurs de l'ESS, dans le cadre des cadres existants. Pour intégrer les politiques publiques de l'ESS de façon systématique, pour qu'elles changent les dynamiques au niveau territorial, il y a évidemment des défis communs qui se posent à nous tous, mais cela nous donne une nouvelle vision pour que l'ESS contribue pleinement à la transformation de notre société et de nos économies. Il sera essentiel aujourd'hui qu'en écoutant les différents témoignages, nous puissions explorer dans quelle mesure on peut avoir un lien plus efficace et organique avec le niveau local. Ceci pour mieux comprendre les besoins en matière de politique et de développement institutionnel. Et permettez-moi de remercier les orateurs, l'équipe de l'UNRISD,
et les autres acteurs qui ont contribué à l'organisation de cet événement qui est là en tant que pierre permettant de mieux comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurence. Merci aussi pour ces mots de remerciement. Aujourd'hui, nous allons entendre les 7 auteurs des 7 études de cas qui permettent de mieux comprendre comment les politiques publiques peuvent être mises en place au niveau local en faveur de l'ESS. Nous avons avec nous Roberto Canedo, qui a écrit sur la ville de Mexico, Sang-Yun Lee pour la ville de Séoul, Malik Diop et Aminata Diop pour Dakar, Rafael Chavez sur la ville de Barcelone, Susan Steinman qui a rédigé l'étude de cas sur Durban, Alan Southern pour Liverpool et enfin Margie Manden et Nancy Nitman qui ont rédigé l'étude de cas sur Montréal. Nous avons aussi invité Hamish Jenkins, auteur principal des lignes directrices. Nous allons entendre tout d'abord les présentations de la ville de Mexico, de Séoul, de Dakar, puis de Barcelone, puis une session questions-réponses, puis une petite pause, à la suite de quoi nous entendrons Durban, Liverpool, Montréal et la présentation des lignes directrices. Et puis enfin, une session questions-réponses. Avant de donner la parole au premier intervenant, permettez-moi de vous donner quelques consignes logistiques. Alors, c'est peut-être trop tard maintenant, mais sachez que cette session sera enregistrée et publiée. Si vous avez des inquiétudes ou que cela vous pose problème, communiquez-nous pendant la session. Si vous avez des questions ou des commentaires, merci d'utiliser la fonction question-réponse en bas de l'écran. Sachez également qu'un service d'interprétariat simultané est en anglais, français, espagnol est disponible. Il suffit pour cela de cliquer sur le globe en bas de l'écran et de choisir votre langue préférée. Roberto Canedo a la parole pour la première intervention sur la ville de Mexico. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour, bonsoir, bonne nuit. Je vous présente le travail intitulé Politique de promotion de l'économie sociale et solidaire pour la ville de Mexique, qui a été préparée dans le cadre du projet de l'Institut de recherche pour des Nations Unies pour le développement du social. Cette étude correspond à l'expérience vécue dans la ville de Mexico en termes de caractéristiques de la conception et de la mise en œuvre de politiques publiques visant à promouvoir et consolider l'ESS au cours de la période entre 2016 et 2019. Il convient de mentionner qu'il existe des antécédents importants qui encadrent ce type de politique dans la ville de Mexico et qui remonte à l'année 2000. Toutefois, ce n'est qu'en 2007 que des programmes spécifiques du secrétariat au travail et à la promotion de l'emploi, qu'on appelle STIF, ont été officiellement mis en œuvre pour la promotion et le renforcement du mouvement coopérativiste local avec des budgets indirects provenant toujours de différents services du gouvernement du district fédéral, aujourd'hui Ville de Mexique. Désormais doté d'un budget, il y a également le programme de promotion, renforcement et intégration des coopératives entre 2012 et 2014 qui a apporté une aide à 157 coopératives au total constituées de 2442 personnes.
Le programme de soutien au développement des sociétés coopératives de la ville de Mexico a été poursuivi en 2015, tandis qu'en 2019 a été lancé le programme de promotion et de constitution d'entreprises sociales et solidaires, le FOCOFES, auquel se réfère donc cette étude. Alors, il y a un problème d'affichage des diapositives. Il s'agit de passer à la prochaine diapositive, la deuxième diapositive. Merci. Sur le plan méthodologique, l'étude s'est déroulée en trois étapes. Pendant la première, une revue exhaustive des documents existants a été réalisée, notamment les livres, articles, documents, lois, règlements, journaux des débats parlementaires et en particulier les règles de fonctionnement des différents programmes ainsi que leurs appels à projets et leurs évaluations publiées au journal officiel du district fédéral de 2016 et à partir de 2017 au journal officiel de la ville de Mexico. La deuxième étape a consisté à recenser des informations de terrain auprès de sources clés, par exemple des fonctionnaires, des anciens employés, des différents services de l'administration locale, de dirigeants et de membres de coopératives, bénéficiaires de formateurs agréés par le STIFE ainsi que des spécialistes du terrain. La troisième étape a consisté au traitement des informations, leur analyse et à la rédaction d'un rapport final sur la base des résultats et des conclusions. Pendant cette période étudiée, la politique publique de promotion de l'ESS dans la ville de Mexico se maintient en raison de l'inertie juridique et institutionnelle et en tant que produit de la demande sociale existante. Deuxième conclusion, il existe un élément de subsidiarité, de complémentarité et de dépendance vis-à-vis de la politique sociale générale menée par le gouvernement de la ville de Mexico, comme les programmes visant à lutter contre le chômage. Troisième conclusion, entre 2015 et 2018, les résultats modestes obtenus ont été entachés par une gestion trouble, tant de la part des fonctionnaires que des bénéficiaires, des ressources et des projets des soutiens à l'ESS. Quatrièmement, à partir de 2019, la mise en place du FOCOFES a présenté un tournant majeur dans la politique publique, marqué par l'introduction de procédures administratives fortement centralisées dans le but d'éradiquer la corruption. Néanmoins, cela a donné lieu à des excès, notamment le licenciement massif de personnel, le non-renouvellement des contrats de formateurs qualifiés et la suppression des aspects positifs des programmes antérieurs. Cinquièmement, dans le cadre de la politique d'austérité républicaine en vigueur au niveau national et des États, 16 personnes seulement ont été embauchées, un effectif insuffisant face à l'ampleur des objectifs à atteindre et du fait que la structure institutionnelle a manqué de se retrouver dépassée par l'importance de la demande générée. Le sous-programme de promotion a rapidement atteint l'objectif fixé, mais la façon dont on crée les coopératives a été de toute évidence défectueuse, laissant présager que très peu survivront, même à court terme. Le sous-programme de renforcement, quant à lui, n'a pas rempli son objectif. La septième conclusion est que le FOCOFES manquait de précision et de stratégie claire. Les responsables de son exécution n'arrivent toujours pas à mesurer, à orienter ou à canaliser le potentiel transformateur et novateur de l'ESS. Au lieu d'exécuter une politique publique vivante et organique, en dialogue permanent et constructif avec ses bénéficiaires, celle-ci a été appliquée de façon instrumentale en se contentant de remplir les exigences formelles des processus administratifs en termes d'objectifs quantitatifs, mais sans se préoccuper de son orientation ou de sa conduite stratégique. En huitième lieu, le cadre juridique en vigueur n'est pas appliqué ni renforcé sur la base de l'expérience accumulée. Ainsi, il ne reflète pas les avancées obtenues dans le texte constitutionnel de la ville et contredit d'autres normes juridiques comme la loi sur les
marché public ou la loi de développement social, pour citer deux exemples. Il est donc essentiel d'harmoniser l'ensemble de la législation applicable aux entreprises de l'ESS avec la constitution locale et d'entreprendre une réforme complète de la loi de promotion du coopérativisme du district fédéral pour permettre le déploiement de ce texte dans les mairies d'arrondissement. Neuvièmement, les programmes ne sont pas mis en œuvre de façon appropriée. Ils ne se fondent pas sur un diagnostic objectif des conditions dans lesquelles les coopératives réalisent leurs activités associatives et entrepreneuriales. Il n'y a ni études, ni travaux de recherche, ni même un répertoire contenant les éléments relatifs à l'environnement de travail de l'institution d'exécution. Le nombre et l'identité des coopératives soutenues, ainsi que les résultats concrets de ce travail. La création d'un répertoire actualisé des coopératives existantes dans la ville de Mexico et des coopératives soutenues par la STPE est une tâche qu'il convient de réaliser dans les plus brefs délais. Il s'agit donc de créer un recensement, un registre actualisé et fiable des coopératives disponible au format papier et numérique, gratuit et librement consultable par la population. Dixièmement, l'extrême rigidité du fonctionnement des programmes et la brièveté de leur mise en œuvre constituent un autre défi. Toutes les procédures administratives doivent être simplifiées et assouplies pour être moins complexes et bureaucratiques. Il convient de miser sur la numérisation des démarches, y compris pour l'envoi des documents. Ce travail permettra de publier en ligne les réponses aux demandes des coopératives, améliorant ainsi la transparence dans l'utilisation des fonds publics. Bien, quelles sont nos recommandations maintenant? Cette étude préconise la réduction du nombre de visites et pour y parvenir, l'établissement d'une procédure de géoréférencement de chacune des coopératives bénéficiaires permettant l'actualisation de leur statut en temps réel. Deuxième recommandation, il convient de sortir du court-termisme institutionnel en élaborant des programmes pluriannuels permettant d'atteindre des objectifs à plus long terme. En l'espace de 5 à 10 ans, il serait possible de créer un noyau dur et consolidé de plusieurs dizaines de coopératives jouant le rôle d'axe agglomérant et de soutien à l'action sociale du reste des coopératives nouvellement créées ou en cours de consolidation, dans l'optique d'atteindre l'autonomie et la pérennité du mouvement coopératif local. Troisième recommandation, il convient d'apaiser les rivalités entre acteurs dans la gestion des espaces institutionnels. Il faut cesser le changement continu des hauts fonctionnaires et l'incapacité à former de nouvelles équipes de travail intégrées dans le but de garantir la continuité et l'aboutissement approprié de tous les programmes. Quatrième recommandation, il est essentiel d'assurer la coordination des organismes publics impliqués, notamment au niveau du gouvernement de la ville de Mexico et des municipalités des 16 arrondissements. Cinquième recommandation, garantir que les programmes de promotion de l'ESS ne soient plus soumis à une gestion clientéliste selon des quotas correspondants à des groupes de pouvoir. Il serait indiqué de mettre l'accent sur les aspects qualitatifs en lien avec la formation et l'accompagnement technique notamment, et non quantitatifs en lien avec le nombre de coopératives formées ou renforcées. Il convient de revoir les objectifs du FOCOFES par rapport à ceux définis en 2019. Sixième recommandation, soumettre les programmes à une évaluation continue et extérieure au gouvernement de la ville de Mexico, améliorer les aspects clés que sont la formation, l'aide technique, l'appui financier, l'accès au marché, le dialogue avec le mouvement coopératif, et la diffusion des programmes et de leur réalisation. Voilà, je vous remercie, j'en ai terminé. Merci d'avoir suivi ma présentation. Merci beaucoup, Roberto. Et merci notamment d'avoir respecté les temps impartis.
Notre prochain intervenant est Sang-Yu Lee. Il va nous parler de l'étude de cas de Séoul. Vous avez 15 minutes. Et je vous indiquerai 3 minutes avant la fin de la présentation quel temps il vous reste. Sang-Yu, vous avez la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, merci. J'espère que vous pouvez voir mes diapositives. Merci de m'avoir invité à présenter le cas de Séoul. Je suis professeure à l'Université de Corée du Sud. Merci à Hee-Chang Lee et à Laurence Quark de m'avoir invité à cet excellent événement. Je l'apprécie beaucoup. Donc, sachez que c'est la meilleure saison pour vous rendre à Séoul. Et j'espère qu'un jour, vous pourrez visiter notre pays, la Corée du Sud. Voilà la table des matières de ma présentation. J'aurai donc une présentation d'informations générales sur la Corée du Sud, puis de l'économie sociale en Corée, et je conclurai avec des remarques spécifiques. Donc, la Corée du Sud se situe entre la Chine et le Japon, vous le voyez ici, historic me. Vous connaissez quelle est la situation? Nous avons plus de 8 millions de personnes vivant dans la péninsule à l'heure actuelle. Nous dépendons beaucoup des exportations dans le cadre de notre activité économique. Vous voyez ici le niveau des exportations. Nous avons de nombreux partenaires commerciaux, notamment les États-Unis, le Vietnam, le Japon, notamment, vous voyez ici sur cette diapositive. La Chine est notre partenaire numéro un en termes de commerce. Donc, les semi-conducteurs constituent le principal secteur économique de l'économie de notre pays. Comme vous le voyez, historiquement, notre économie connaît une croissance très rapide. Vous le voyez ici sur ce graphique, c'est le cas depuis plusieurs décennies avec une augmentation sévère de notre PIB. Ceci engendre des inégalités et de nombreux problèmes sociaux. Vous voyez ici quel est le pourcentage des revenus totaux qui sont détenus par 10% uniquement de la population. Donc, cette frange de la population sont donc en mesure d'accumuler 45% des revenus dont dispose le pays. Ceci engendre d'importants problèmes sociaux et vous savez que ceci engendre de nombreuses difficultés. Cette présentation se base sur le document de travail élaboré par l'Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social. Et merci pour ce projet très important. Vous voyez que la Corée du Sud dispose de différents types d'entités de l'économie sociale et solidaire. Comme vous le voyez ici, les coopératives de base telles que les coopératives agricoles et les mutualistes de crédit font l'objet d'un cadre juridique spécifique de statut au nombre de 8. Vous voyez ici quand 1999 a été adoptée la loi nationale sur la sécurité du revenu de base. Le président a également, depuis 2017, promu une action forte en faveur de l'économie sociale. La loi cadre sur l'économie sociale est à l'heure actuelle en cours d'examen, et ceci depuis cette année, depuis 2021. Voici quels sont les quatre principaux types d'entités de l'économie sociale et solidaire. Nous avons les coopératives, les entreprises sociales, les entreprises communautaires, les entreprises d'autodépendance. Vous voyez ici à l'écran le
projet de loi cadre sur l'économie sociale qui est en cours d'examen. Par ailleurs, le ministère du Travail soutient activement l'éducation en direction des entrepreneurs sociaux. Comme vous le voyez ici, plus de 3 000 entreprises sociales ont été créées depuis 2011. Le projet de loi en examen, à l'heure actuelle examinée, définit les types d'entités d'économie sociale et solitaire. Vous avez les coopératives sociales, donc les mutualistes de crédit notamment. Donc, il s'agit d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Passons maintenant, si vous le voulez bien, aux politiques spécifiques pour stimuler l'économie sociale et solidaire à Séoul. Vous voyez que Séoul est au milieu de la péninsule coréenne sur cette carte. Ceci représente une superficie de 600 km². Plus de 10 millions de personnes vivent dans la zone métropolitaine de Séoul. Ceci engendre également d'importants problèmes sociaux et c'est la raison pour laquelle les entreprises sociales sont si importantes et doivent se développer au niveau de la zone métropolitaine. Donc, Séoul promeut l'économie sociale et solidaire et a créé un cadre pour cela. Cela a commencé dès 2009, comme vous le voyez ici en 2014 également. L'ordonnance cadre sur l'économie sociale a pris effet à partir de cette année-là. Il s'agit d'un marqueur supplémentaire pour stimuler l'ESS dans la ville de Séoul. Je dirais, en l'occurrence, que cette ordonnance est vraiment essentielle, une partie essentielle à cette tendance. Ces activités sont stimulées par le gouvernement de Séoul, mais également par le secteur privé. L'ancien maire de la ville a également travaillé de manière active avec les acteurs de la société civile. Ces travaux ont engendré des politiques importantes en faveur de l'ESS. Donc, à nouveau, les coopérations entre le public et le privé ont permis de stimuler cette activité. Les organisations intermédiaires sont également importantes pour garantir des politiques publiques en direction du secteur. Comme vous voyez ici, le Centre de l'économie sociale de Séoul a pu voir le jour. Je crois que c'était en 2015. Je ne me souviens pas très bien de la date, mais quoi qu'il en soit, ce centre a été établi et il a joué un rôle actif, clé, au moment de stimuler et de développer un secteur de l'ESS dans la zone de Séoul. Il y a trois initiatives clés, je dois dire, pour stimuler l'ESS à Séoul. Le développement des ressources humaines, tout d'abord, pour les programmes d'éducation. Deuxièmement, le financement. Les ressources financières sont importantes pour initier une entreprise, vous le savez. Et la question de l'information. L'information est importante dans ce secteur car le concept est assez difficile à comprendre, notamment pour la population. Donc, il est essentiel ici de réduire les asymétries en matière d'information entre les responsables de l'élaboration des politiques, les citoyens et les acteurs commerciaux. Donc,
Le centre de l'économie sociale de Séoul a garanti plus de 45 cours d'éducation à travers ses programmes. Plus de 7 900 personnes ont été en mesure de recevoir une formation. Ce programme d'éducation à l'attention des entrepreneurs sociaux pour savoir également comment recevoir et se procurer des ressources, c'est assez important. Mon université, l'Université Sangol, est l'une des agences à travers lesquelles se développe ce programme. Nous avons formé plus de 1000 personnes et plus de 100 ont été en mesure de se lancer dans l'entrepreneuriat social. Le financement, la question des ressources financières est à nouveau très importante. On n'a pas tellement de fonds, comme vous le savez. Nous avons donc garanti l'établissement d'un fonds d'investissement social du côté du gouvernement métropolitain de social. Donc, 1000 entreprises sociales ont reçu un prêt de la part de ce fonds. Il s'agit d'une composante essentielle pour créer, consolider et stimuler le secteur de l'économie sociale et solidaire. De manière plus importante, le gouvernement local a joué un rôle critique au moment de réaliser ces achats auprès du secteur de l'ESS. Nous avons un cadre juridique en la matière au niveau de la municipalité de Séoul. Vous voyez depuis 2014 notamment l'augmentation de ces marchés publics. Pour les questions liées au problème d'asymétrie en matière d'information, Séoul a également mis en place un portail d'information pour mettre à disposition de la population des services de consulting, des informations, des services de recrutement. Donc voilà quelle est la plateforme en ligne qui a été développée pour stimuler l'économie sociale. Il vous reste 3 minutes. Avant la prise en fonction du nouveau maire de Séoul, la ville de Séoul a proposé un plan 2.0 en faveur du développement de l'économie sociale. Je ne suis pas certain que ce plan soit poursuivi, car le nouveau maire va peut-être adopter une autre approche. Donc, nous verrons. Pour conclure, les cadres juridiques institutionnels sont importants, notamment dans le contexte asiatique. Je vous l'ai dit, car historiquement, la Corée a joué un rôle important à travers son gouvernement pour stimuler l'économie. Les populations ne sont pas forcément sensibilisées à cette approche. C'est la raison pour laquelle les cadres juridiques institutionnels sont importants pour lancer un travail dans cette direction. Il faut savoir également que la question de l'autonomie est aussi importante, notamment lorsque les gouvernements ne sont pas forcément favorables à ces initiatives. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je vous laisse ici mes coordonnées également, mais vous pouvez me joindre par le chat. Merci beaucoup, San Yoon, d'avoir respecté le temps en montrant cette formidable expérience de Séoul. Les prochains orateurs sont Malik Diop et Aminata Diop qui vont nous parler du cas de la ville de Dakar au Sénégal. Monsieur, madame, vous avez la parole. Je vous remercie. Je suis Madame Diop, je suis Aminata Diop Sam, je suis la directrice générale du Fonds de développement et de solidarité municipale, en abrégé FODEM, qui est une structure qui finance, encadre, forme les acteurs de l'économie sociale et solidaire, principalement les femmes. Je pense qu'on peut partager la présentation de...
pour partager nos présentations si vous les avez avec vous. Sinon, je le partage directement à partir de mon ordi. D'accord, donc la présentation se fera en deux étapes. Voilà, donc pour cette présentation, ça se fera en deux étapes. Je présenterai une première partie sur l'expérience de la ville de Dakar dans la conception, l'exécution et l'évaluation des politiques publiques pour les organisations et entreprises coopératives. La seconde partie sera faite par M. Malick Diop, qui est le coordinateur du réseau avec qui nous avons travaillé sur donc, cette étude. Parlant donc de cette première expérience au niveau de la ville de Dakar, juste revenir sur le contexte de l'étude. Et en parlant du contexte de l'étude, slide suivant. En parlant du contexte de l'étude, il faut comprendre que au moment de cette étude, le contexte de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire était très très favorable. Donc, parce qu'il y avait une volonté très très engagée au niveau du Sénégal, le gouvernement du Sénégal a mis en place un ministère dédié à l'économie sociale depuis 2017, un ministère qui avait les compétences pour un peu promouvoir et accompagner les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il y avait également une forte volonté juridique avec un cadre juridique en construction, l'élaboration de la lettre de politique sectorielle, mais également le vote de la loi d'orientation. Malick reviendra en détail sur cet aspect, puisqu'une loi d'orientation a été votée effectivement au Sénégal pour promouvoir effectivement l'économie sociale et solidaire. Il y a également une initiative, un réseau très, très dense d'initiatives socio-économiques à l'échelle locale, mais également à l'échelle nationale. Si je prends l'exemple de la ville de Dakar, un réseau d'initiatives qui accompagne et promouvoir la formation, la formalisation et le financement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Au niveau international, vous verrez qu'il y a également une forte volonté d'accompagner les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Le processus d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire au niveau de la ville de Dakar a été fait sur plusieurs aspects. Prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà. Vous verrez que depuis 1990, la ville de Dakar s'est engagée donc, dans cette dynamique d'accompagner effectivement les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il y a plusieurs programmes. Je pourrais peut-être citer quelques programmes. Vous avez le programme d'appui des familles en situation d'extrême pauvreté qui a été mis en place depuis 1998. Nous avons également le Fonds de développement et de solidarité municipale, la structure que je dirige au niveau de la ville de Dakar, qui a pour mission d'accompagner, de former et de financer les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Nous avons également un autre projet qui est assez important, c'est le projet d'agriculture urbaine. Et en cela, il s'agit pour nous d'encadrer les femmes qui veulent investir le secteur du micro-jardinage, un projet qui est assez important et qui a donné des résultats très, très probants. Nous avons le programme également des volontaires et à travers ce programme, donc, des jeunes ont été recrutés, formés et qui sont actuellement en train de faire un travail extraordinaire au niveau de la ville de Dakar. Vous avez également le Fonds d'initiative culturelle qui a permis aux acteurs culturels, parce que ce sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui sont constitués sous forme de coopératives, sous forme d'apicales, pour un peu appuyer la dynamique de l'économie sociale et solidaire. Donc, ces acteurs ont été encadrés, formés et financés au niveau de la ville de Dakar. Et vous verrez également qu'au niveau de la ville de Dakar, nous avons mis en place un incubateur que nous appelons la couverture d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise, au sein duquel des entrepreneurs sociaux sont formés, parce que nous avons l'habitude de dire qu'ils peuvent avoir des diplômes académiques mais ne pas savoir entreprendre. Donc, la ville de Dakar a mis en place ce programme pour un peu appuyer cette dynamique de formation des entrepreneurs. Effectivement, en dernier lieu, nous avons la mutuelle d'épargne et des crédits qui nous sert de levier financier, puisque le fonds n'est pas un intermédiaire financier ou une banque. Tous ces projets constituent un socle
d'une politique d'économie sociale et solidaire. Parlant des limites de l'accompagnement, parce qu'au niveau de l'étude, nous sommes allés à une conclusion, à une remarque très, très importante, puisque le projet a connu, cette étude a rencontré beaucoup de limites dans le cadre de l'accompagnement. Prochaine slide, s'il vous plaît. Dans le cadre de l'accompagnement, effectivement, de ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de projets au niveau de la ville de Dakar, mais ce sont des projets qui sont un peu disparates. Nous notons un défaut de coordination, de promotion et de visibilité d'une politique cohérente et planifiée au niveau de l'économie sociale et solidaire. On dit une faiblesse du dispositif législatif et réglementaire, mais qui est en train d'être corrigée avec le vote de la loi d'orientation. Mais nous notons également à l'échelle nationale qu'il y a un déficit en ressources humaines. Et cela ne pourra être comblé que par la formation donc des acteurs. Et ce déficit est susceptible d'accompagner le processus de développement de l'économie sociale et solidaire. Également, une insuffisance des mécanismes de financement et d'accompagnement des projets de l'économie sociale et solidaire. Et c'est la raison pour laquelle la ville de Dakar a mis en place donc cette approche triptyque formation, formalisation et financement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Au niveau national également, l'État du Sénégal s'est engagé à promouvoir réellement donc ce programme d'économie sociale et solidaire en mettant en place des institutions de financement dédiées spécialement aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Prochaine slide. Pour également la prise de décision. La prise de décision, c'est important. Il faut en parler. Au niveau national, c'est un ministère dédié, nous en avons parlé, c'est le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire qui a mis en place un outil d'aide à la décision, c'est la lettre sectorielle. Donc, la loi cadre, Malik reviendra là-dessus. Au niveau de la ville de Dakar, pour la prise de décision au niveau de l'étude, c'est au niveau politico-juridique. Il y a eu un long débat sur les orientations du budget qui est une disposition du code des collectivités locales. Au niveau stratégique également, nous faisons intervenir la direction de la planification et développement durable pour la mise en place donc, d'un plan d'accompagnement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Au niveau opérationnel, il existe plusieurs structures, j'en ai parlé, c'est la direction de l'action sociale, c'est le Fonds de développement et de solidarité municipale que je dirige, c'est également la couveuse, la CPM, l'incubateur de la ville de Dakar, mais il y a également la mutuelle d'épargne et de crédit, tout ce qui tourne autour de la coopérative d'habitat et tous les amicales. Donc, toutes ces structures ne favorisent pas une intégration, une politique locale planifiée. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place donc, un dispositif pour aller vers l'élaboration d'un plan local de développement de l'économie sociale et solidaire. Il est important et c'est d'ailleurs inclus dans les dispositions de la nouvelle loi d'orientation qui impose aux collectivités locales d'aller vers la mise en place d'un plan local de développement de l'économie sociale et solidaire. L'appui aux organisations d'économie sociale et solidaire. Là, je pense qu'il est également important de le souligner, parce que au niveau du Sénégal, prochaine slide, s'il vous plaît. Au niveau national, le gouvernement a mis en place des dispositifs de financement, j'en ai parlé, et d'encadrement. Vous avez tout ce qui tourne autour du financement des entrepreneurs, la direction de l'entrepreneuriat rapide, le programme qui est dédié aux artisans, mais également ce qui touche au service de la couverture maladie universelle. Au niveau local, la ville de Dakar a mis des structures décentralisées d'accompagnement, un fonds de soutien pour le financement des acteurs de l'économie sociale et solidaire et une éligibilité simplifiée de renforcement des capacités avec la triptyque, j'en ai parlé, l'approche triptyque, formation, financement et encadrement au niveau du fonds de développement et de solidarité municipale. L'accès au marché ou au financement, c'est important. Et là également, il faut constater que c'est peut-être une limite parce qu'il y a une absence d'un cadre incitatif pour faciliter l'accès à la commande publique. Donc, je pense qu'il faudra véritablement travailler dans ce domaine pour favoriser l'accès à la commande publique. L'existence de plusieurs structures de financement au niveau du prochain slide, s'il vous plaît.
l'existence de plusieurs structures de financement qui sont généralement peu adaptées ou adaptées aux réalités des organisations d'économie sociale et solidaire, des banques ou des institutions de microfinance. Donc, ce sont des limites qui freinent un peu la promotion et le développement donc, de l'économie sociale et solidaire. Prochaine slide. Au niveau de la collecte de données et de recherche, là, il faudra peut-être remarquer et préciser que nous n'avions pas un dispositif systématique de collecte dans le cadre de cette étude. Un dispositif de collecte de recherche et de partage des connaissances sur l'économie sociale et solidaire. Donc, nous nous sommes référés sur l'existant pour un peu partager l'expérience au niveau national et au niveau de la ville de Dakar. Et les limites de production systématique de ces données sont dues au déficit de capitalisation des expériences. Et il est important de souligner cet aspect. Et c'est dans ce cadre que la ville de Dakar s'est engagée à capitaliser le modèle des stratégies qui a été mise en place pour un peu nous permettre de les répliquer dans d'autres collectivités locales. Il y a également la faiblesse des données statistiques. Pratiquement, nous n'en avons pas trouvé beaucoup. Nous nous sommes référés également sur l'existant au niveau du ministère, mais également au niveau des structures de financement. Prochaine slide. Les pistes que nous avons identifiées au niveau de cette étude. Première piste, c'est d'intégrer l'économie sociale et solidaire dans les politiques. We have 3 minutes. C'est important. Aminata, il vous reste 3 minutes. Voilà, les pistes de recommandation, c'est d'intégrer l'économie sociale. Oui, j'ai compris. C'est d'intégrer l'économie sociale dans les politiques territoriales. Aminata, you have 3 minutes. OK, it's OK. De coordonner les projets et les structures d'appui et centraliser la décision en une direction de l'économie sociale et solidaire. Mais il faut également accompagner la mise en place de pôles. C'est important, renforcer les mécanismes de contractualisation avec les économies sociales et solidaires, c'est important. Donc, je laisse le soin à Malick Diop de compléter un peu ces quelques aspects avec les effets que l'étude a produits. Malick Diop. Oui, je pense que je vais aller très vite et puis au cours des débats, on peut y revenir. C'est juste par rapport aux effets. Je pense que depuis qu'on a mis en place, réalisé cette étude et sur les lignes directrices, je pense que le premier effet, c'est que c'est l'élaboration de la loi. Et l'élaboration de la loi a permis d'inspirer un peu les lignes directrices. C'est d'abord la définition des termes d'usage, parce que comme le secteur n'était pas très clair, donc la définition était très importante. L'identification des typologies des acteurs et des parties prenantes, donc particulièrement l'entreprise sociale qui n'était pas prise en compte et qu'aujourd'hui la loi permet d'organiser l'entreprise sociale, qui est un concept nouveau dans le dispositif juridique sénégalais. La création des mesures douanières aussi, tout ce qui est financement au profit des acteurs de l'AS en termes de financement, donc il y a des éléments qui sont dans la loi. L'encadrement de l'économie populaire, l'économie sociale et solidaire, ça aussi, il y a des dispositifs très intéressants au niveau de la loi. L'encadrement de la responsabilité sociale d'entreprise pour son impact considérable dans la population, parce que la responsabilité... Oui. 1 minute. Malick, il vous reste une minute. Voilà, je termine. L'implication des autorités décentralisées. Donc, il y a autant de lois, il y a autant d'effets qui peuvent permettre donc, de travailler sur ça, combien d'effets. Deux effets obligatoires, c'est aussi l'obligation faite aux collectivités territoriales d'intégrer dans son plan ou dans leur plan de planification au programme de S. Ça aussi, c'est important, c'est un impact qu'il a fait. Et aussi, ça nous a permis énormément de faire la promotion de la candidature de Dakar auprès national et international. Ça aussi, parce que l'étude a été démultipliée à plus de 2000 exemplaires renvoyés dans les différents partenaires, les ambassades, les ministères, qui ont permis un peu de comprendre ce que la ville de Dakar fait au niveau de l'économie sociale et solidaire. Merci. Thank you very much. I'm very sorry. Merci beaucoup. Je suis désolée de vous avoir pressé à conclure. 15 minutes, c'est très court pour aborder tous les détails en 15 minutes. Donc, merci de votre compréhension.
Et c'est le format actuel. Il aurait été mieux d'avoir plus de temps, mais nous avons beaucoup d'orateurs. Le prochain orateur est M. Ravel Chavez, qui va nous parler de l'étude de cas de Barcelone. Vous avez la parole, monsieur. Bonjour. Merci, Ilchung. J'espère qu'on m'entend bien. Permettez-moi, en remerciant le GSEF de me donner la possibilité de m'exprimer lors de ce séminaire pertinent. Et j'aimerais particulièrement remercier M. Samjong Lee et M. Il-Jong Lim pour avoir catalysé et coordonné l'organisation de ces vêtements. C'est vraiment un plaisir d'avoir collaboré avec vous et de le faire encore aujourd'hui avec d'autres groupes de chercheurs de différents continents. Permettez-moi aussi remercier la possibilité de pouvoir m'exprimer en espagnol, puisque nous avons avec nous une équipe d'interprètes et ce n'est pas le cas dans tous les congrès. Et c'est un élément important au moment d'enrichir les discussions. J'aurais pu m'exprimer dans d'autres langues, mais je pense que ma communication est plus riche dans ma langue maternelle qu'est l'espagnol. Permettez-moi aussi de partager mon écran dans quelques instants. Qui s'intitule « Politique de promotion de l'économie sociale et solidaire de Barcelone ». Je n'ai pas rédigé cette étude moi-même, nous étions trois, Jordi Villa et Jordi Garcia. Lorsque on m'a confié ce travail, moi je suis chercheur et professeur à l'Université de Valencia, j'ai pris contact avec mes collègues, notamment Jordi Villa, qui est l'acteur principal de la politique. Je le connais depuis des années, je l'ai contacté, il a été enchanté de collaborer, et donc aussi Jordi Garcia, qui est un militant du mouvement de l'ESS en Catalogne, et ces deux personnes ont été enchantées de participer à l'élaboration de cette étude de cas. C'est donc une étude de cas de recherche partenariale. Ils ont participé à toutes les phases et étapes du processus d'élaboration du document jusqu'à la rédaction elle-même. Donc, il s'agit véritablement d'un fruit de coparticipation et de co-création. Quelle a été la méthodologie? Pour collecter les données, eh bien, évidemment, nous avions à notre portée le bagage personnel de Jordi Villa, qui est à la tête du commissariat de la municipalité de Barcelone en charge de l'ESS. Mais nous avons dû aussi recenser davantage d'autres informations auprès de documents officiels de la municipalité, entre autres. Nous avons également créé deux groupes cibles, l'un avec les représentants de la municipalité et mairie de Barcelone et de la Generalitat, et puis un autre groupe cible qui était composé des acteurs locaux de l'ESS de la ville de Barcelone. Cela a été quelque chose de très riche et très précieux au moment d'obtenir des informations sur la façon dont ils perçoivent la politique de SS. Et enfin, nous avons mené un sondage, une enquête d'évaluation de la politique qui a touché d'autres personnes au-delà de ces deux groupes cibles. S'agissant de la période d'évaluation, nous avons agi sur le premier plan d'impulsion de l'économie sociale et solidaire. Il y en a eu un second, ultérieurement, et même actuellement, nous avons une stratégie
en matière d'économie sociale pour Barcelone 2030. Ça a été donc le premier pilier. Il a eu une continuité en termes de croissance et de développement de cette politique à Barcelone et je pourrais dire dans toute la Catalogne. Mais nous allons nous limiter à la période 2016-2019. Les éléments qui composent cette présentation, qui correspondent aux documents, sont tout d'abord la vision qu'il y avait de cette politique au moment de la mettre en œuvre, donc la vision relative au domaine de l'ESS et la vision du modèle de politique à mettre en œuvre. Deuxièmement, nous parlerons du processus de construction de cette dernière. Qui l'a dirigée? Qui l'a catalysée? Quels sont les acteurs qui ont été impliqués dans cette action? Ensuite, nous analyserons l'écosystème de la politique d'économie sociale. Nous verrons quelles sont les institutions, les acteurs qui participent à ce dernier. Nous parlerons ensuite du cadre institutionnel et réglementaire de cette politique au niveau de la ville. En sixième lieu, nous aborderons l'architecture, c'est-à-dire les différents éléments qui ont, disons, permis l'articulation de cette politique d'économie sociale. Nous aborderons les objectifs, les lignes, et nous évaluerons ensuite la politique en tant que telle. Voilà quels sont les points que je vais aborder en 8 minutes, car Ilchu va me dire rapidement qu'il ne me reste que 3 minutes. Tout d'abord, il est important de souligner dans ce contexte que le cas de la politique de Barcelone n'est pas unique en Espagne. L'Espagne est caractérisée par une importante tradition de politique d'économie sociale qui commence avec le changement et la transition démocratique et avec la Constitution espagnole de 1978. Cette dernière dispose de nombreuses dispositions qui appuie les associations, c'est-à-dire les membres de l'économie sociale. Et depuis ce moment-là, ont été articulées toute une série de mesures en soutien à ce domaine. Cependant, nous pouvons identifier un changement significatif, notamment depuis l'année 2015, c'est-à-dire juste après la crise financière. Dans différentes villes et régions, il y a une nouvelle génération de politiques d'économie sociale avec des caractéristiques assez similaires. Nous pouvons souligner cependant que le cas de Barcelone est peut-être le meilleur. C'est celui qui a le plus réussi à développer avec le plus de succès les caractéristiques de cette nouvelle génération de politiques d'économie sociale. Il y en a eu également à Madrid, dans la région de Valence et en Aragon, notamment. Tout d'abord, il convient de souligner que lorsque cette loi va être développée à Barcelone, on réalise un diagnostic de l'ESS. La ville représente un secteur qui compte avec près de 5 000 initiatives socio-économiques et un tiers de ces dernières sont des coopératives, 1 200 sont des entreprises de travailleurs. Et ceci représente environ 50 000 postes de travail et plus de 500 000 membres. Il s'agit d'une réalité importante. Cela représente environ 8 % de la population active. Cependant, en termes de répartition géographique au niveau de la ville, il n'y a pas une répartition égale. La situation est similaire dans d'autres pays où les quartiers les plus pauvres et qui ont le plus de manque sont ceux qui font l'objet de moins d'initiatives. C'est curieux et cela donne à penser, notamment en lien avec les éléments qui concourent au développement de ces politiques. Comment a commencé cette politique? Donc en 2015, avec le changement de gouvernement, des élections locales et régionales ont lieu en Espagne et en Espagne, un parti de gauche remporte les élections. C'est une coalition de gauche et la nouvelle mairesse décide de mettre en œuvre pour la première fois
en Espagne, au niveau local, une politique municipale d'économie sociale. Elle charge de cette question une activiste du travail social, Jordi Villa, c'est notre collègue. Il crée un département propre, le commissariat à l'économie coopérative. Jordi et son équipe sont alors chargés d'instaurer une politique à caractère transversal, innovante au niveau de la municipalité. S'agissant de la vision de la politique en faveur de l'ESS, il faut savoir que cette vision est une vision large qui transcende, y compris la vision traditionnelle qui prévalait en Espagne à ce sujet, c'est-à-dire la société, les sociétés de travailleurs. Ceci va constituer un défi très important qui va être l'un des principaux objectifs, c'est-à-dire qu'on va essayer de donner de la visibilité et de sensibiliser, de reconnaître tout ceci en lien avec ce grand changement, en lien avec l'objet de la politique d'économie sociale. Il faut voir ensuite quel est le contenu et les objectifs généraux de la politique. Ces objectifs vont consister à développer ce qui existe et à polliniser, à diffuser l'économie sociale dans une série de secteurs. Et ceci dans le cadre d'une vision transformatrice de l'économie et de la société. Il vous reste 3 minutes. Raphaël, merci. Un autre objectif important consistait à essayer d'intégrer une vision d'intégration avec les départements de cette politique. L'idée était également d'intégrer d'autres acteurs, ou du moins les acteurs pertinents dans le processus de construction. Une contribution importante qu'on va avoir à ce niveau-là est en lien avec la création de la sphère, de l'espace participatif de l'économie sociale en tant qu'organe de participation des acteurs de l'économie sociale dans la construction de la politique. Comment va être articulée cette politique maintenant? Le processus de codécision, de coélaboration de manière participative va être développé sur une période assez courte, quelques mois, même moins de 6. Ceci est systématisé dans le cadre d'un plan pluriannuel à grande portée. Un plan qui a 2 objectifs généraux, 6 lignes de travail, 24 objectifs spécifiques et toute une série d'instruments qui vont de l'appui, l'éducation, le financement, l'intercoopération, l'équipement et la territorialisation. Ces objectifs se sous-divisent à travers de plus de 100 mesures qui ont été déclinées sur la période correspondante. S'agissant du plan, je ne vais pas entrer dans le détail, faute de temps, mais cependant, je souhaitais vous indiquer qu'il est important de souligner un point du point de vue de l'évaluation et des entraves rencontrées. Certains des éléments, voilà, ça c'est un tableau que nous avons utilisé pour l'évaluation, notamment nous avons mesuré le degré de mise en œuvre de toute cette batterie de mesures, nous avons évalué les barrières, les entraves rencontrées au moment de la mise en œuvre, ainsi que l'efficacité de ces dernières. Je termine. Il convient de tirer de tout ceci que les principales réalisations de la politique sont en lien avec sa contribution à un financement public croissant pour l'ESS. Il y a également un processus de coparticipation, de création de cet espace conjoint. Et pour la première fois également, on réalise une convergence entre les différentes familles au niveau d'un patron commun, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire. Il s'agit donc d'une plateforme de l'économie sociale et solidaire qui va voir le jour à Barcelone. Je vous remercie. Merci beaucoup,
Raphaël, avant de donner la parole à l'assistance pour des questions-réponses, nous avons préparé un petit événement surprise pour le groupe. Pourriez-vous, s'il vous plaît, activer votre caméra? Essayez de montrer la meilleure partie de vous-même. Et nous allons donc prendre une photo de groupe de tous les participants et de toutes les participantes. Et vous recevrez cette photo comme souvenir de nos rencontres. Pourriez-vous, s'il vous plaît, activer votre caméra? Hi, Akiko. Bonjour, Kiko. Donc, je suppose que vous avez activé votre caméra. Ceci nous permettrait donc de prendre une photo de groupe. Un, deux, trois, attention. Merci beaucoup. La parole est maintenant à la salle. Lors du forum 2023, nous avons préparé des questions communes pour les intervenants et les participants, et ce pour toutes les sessions. Quelles doivent être les mesures, les stratégies que les individus, les gouvernements, les groupes, la société, les pays devraient prendre pour garantir un monde meilleur et plus inclusif? C'est une première question. Deuxièmement, quelles mesures clés devraient être promues depuis le niveau local? Voilà, ces deux questions sont des questions qui sont tournées vers l'avenir. Et nous pourrions peut-être les décliner un petit peu, car nos présentations se basent en effet sur des politiques existantes. On pourrait donc demander quelles sont les actions, les stratégies du côté des individus, des gouvernements, des groupes, des sociétés dans votre région nécessaires pour garantir une société meilleure et plus inclusive. Quelles mesures clés pourraient être promues au niveau local dans votre région? Voilà, vous pouvez essayer d'examiner ces quatre questions. Donc, deux questions tournées vers l'avenir et peut-être deux autres davantage sur ce qui a été fait. Je vais peut-être poser la question à Roberto. Tout d'abord, Roberto. Merci beaucoup. Le travail que nous avons réalisé de manière conjointe avec le docteur Rojas de l'Université de Chapingo est un travail sur lequel j'aimerais que mon collègue participe. Bonjour à toutes et à tous. S'agissant des questions qui ont été posées par Ilchong, j'espère avoir bien compris et bien entendu. D'après ce que j'ai entendu des présentations aujourd'hui, je souhaiterais souligner deux aspects qui ont été fondamentaux dans le cadre de l'expérience de promotion de l'économie sociale dans la ville de Mexico. Tout d'abord, je soulignerai la question des processus de co-construction et d'implication des acteurs en tant qu'acteurs véritables qui assument un rôle actif de proposition dans la définition et la mise en œuvre des mesures de politique publique. Dans le cas de l'application de la politique publique nationale chez nous, je crois qu'on peut diviser ceci en deux parties. Tout d'abord, il y a une étape de grande participation de la part des acteurs, notamment du mouvement coopératif,
Et ceci entre 2006 et 2015. Lors de cette longue période, on parvient à élaborer la loi de promotion de l'économie coopérative dans la ville de Mexico. C'est là que sont posées les bases pour l'élaboration de la politique publique. C'est à ce moment-là que ceci est assis. Donc, il s'agit d'une politique que nous pouvons évaluer comme étant couronnée de succès. Nous sommes parvenus à obtenir une mobilisation sociale très importante. À partir de 2015, en revanche, de manière unilatérale, les autorités gouvernementales ont décidé d'annuler cet espace de dialogue et de communication. L'initiative est donc annulée et le gouvernement décide jusqu'à présent, de manière exclusive, de charger les autorités gouvernementales à seul titre de cette question de la politique. Ceci a été fait à l'encontre du cadre juridique sans évaluation claire. Il s'agit d'une politique publique qui demeure, mais en raison d'une inertie, si vous voulez, d'une inertie politique. Et également en raison d'intérêts politiques, les acteurs sont dans une position réceptive, passive, et ceci engendre une perte d'une énergie importante de ce que pourraient faire les acteurs sur le territoire. Ces acteurs pourraient se mettre à disposition pour avoir une politique plus réaliste, plus riche. Voilà quelle est la grande lacune qui caractérise la ville de Mexico. Nous sommes à l'heure actuelle face à un engorgement, disons. Il y a une demande crescente de la part des acteurs de l'ESS pour pouvoir restaurer le conseil consultatif qui est a priori mandaté par la loi. Cependant, les autorités continue à rester impassible et à décider de manière descendante ces politiques publiques. Et ceci engendre d'importants problèmes et d'importantes difficultés. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous ne pouvons pas avancer faute de dialogue, faute de communication. Nous devons travailler de manière plus collaborative pour garantir cette politique, car ceci relève d'un intérêt social, d'un intérêt des acteurs, et je crois que nous gagnerions tous à faire avoir cette ouverture. Voilà quel est le thème que je souhaitais souligner. Je vous remercie. So we have a willingness to promote SSC on the ground, but donc la volonté sur le terrain existe, mais ce sont les décideurs politiques qui n'ont pas ce même niveau de volonté de coopérer ou collaborer avec la société civile. Voilà le problème que vous avez exposé. Il faut faire preuve de persuasion pour obtenir l'appui des décideurs politiques. Sanyeon, pour Séoul, avez-vous des réponses? Merci de me donner la possibilité de parler. Bon, je suis un enseignant à l'université. S'agissant des programmes d'enseignement à l'entrepreneuriat social pour dynamiser ce type d'entreprise, eh bien, parfois, les mauvaises politiques détruisent les bons exemples. Par exemple, lorsqu'il s'agit de théories sur les coûts de transition, par exemple, repose sur l'hypothèse que les êtres humains savent très bien répondre à leurs propres intérêts.
Mais dans ce secteur, ces hypothèses ne fonctionnent pas forcément bien. Lorsque j'observe les entreprises, certains programmes de formation, l'approche est trop commerciale. Et il n'y a aucune réflexion. On attend que l'approche capitalistique et commerciale soit adoptée de but en blanc. Parfois, c'est nécessaire, bien sûr, mais il faut réfléchir peut-être un peu mieux. Que les mauvaises politiques et les mauvaises théories, malheureusement, détruisent les bonnes pratiques. Merci. Donc, beaucoup de pression sur le monde universitaire et de la recherche, donc, pour vraiment élaborer de très bons concepts et théories pour développer l'ESS. Malik et Aminata, avez-vous des réponses à ces questions? Malik et Aminata, voulez-vous intervenir? Oui, à mon niveau, je pense qu'il faut encore renforcer la solidarité. Puisqu'on parle d'économie sociale et solidaire. Et quand je parle de solidarité, c'est déjà la solidarité au niveau de la production et de la redistribution des biens. Il faudra peut-être qu'il y ait un partage équitable des risques et des richesses entre les individus déjà, mais également une solidarité entre les territoires. Il ne s'agit plus de dire que tel pays est riche, l'autre est pauvre. Il faudra qu'il y ait des rapports entre les pays économiquement riches et les pays qui sont économiquement pauvres. En termes de stratégie, je prônerais peut-être pour la stratégie qui a certainement été développée au niveau de la ville de Dakar et qui s'appuie sur deux éléments. D'abord, une bonne planification donc des actions de toutes les activités qui tournent autour de l'économie sociale et solidaire et qui mettraient principalement en jeu les organisations de l'économie sociale et solidaire. C'est ce que nous avons fait au niveau de la ville de Dakar, une très bonne planification avec la direction de la planification, mais également mettre en place des structures de financement dédiées aux acteurs, parce que vous savez que ces acteurs peinent à décrocher un financement au niveau des structures classiques, au niveau des banques, pour la bonne et simple raison qu'on ne les prend pas au sérieux ou qu'ils ont peut-être des problèmes pour satisfaire aux garanties exigées au niveau des banques. Donc, il faudra qu'au niveau central, qu'on mette en place un dispositif d'accompagnement pour un peu financer les acteurs de l'économie sociale et solidaire et mettre en place une synergie, une collaboration avec les acteurs, les réseaux. Et je donnerai l'exemple du réseau que coordonne Malik Diop, le réseau des acteurs et des collectivités locales, qu'il y ait une collaboration multi-acteurs entre les acteurs et les réseaux qui ont en charge de promouvoir en tout cas le développement de l'économie sociale et solidaire. Nous, à notre niveau, c'est cette approche en co-construction que nous avons privilégiée. Et pour finir, il faudra mettre l'accent sur la formation des acteurs. C'est important parce que les acteurs de l'économie sociale et solidaire, on le fait sans pourtant savoir que nous sommes dans ce domaine. Il faudra également qu'ils soient renforcés et capacités dans ce domaine. C'est important. Je vous remercie. Thank you very much. Creation of alternative. Merci beaucoup. Créer des mécanismes alternatifs pour soutenir les entreprises et organisations de l'ESS, la formation et processus de co-construction. Merci beaucoup. Raphaël Chavez, avez-vous des éléments de réponse à ces questions? Bien sûr, évidemment. Merci, Ilchung, de me donner la parole. J'ai beaucoup aimé la phrase prononcée par Sanyu sur le fait que les mauvaises théories peuvent détruire les bonnes pratiques. Et je dirais à l'inverse qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Et donc, justement, il appartient aux chercheurs et aux universitaires de construire des bonnes théories. Alors, je ne dis pas ici parce qu'on est entre nous, mais comme élément fondamental, précisément parce qu'il est important de souligner les quatre éléments, et je serai bref, quatre éléments qui permettent de développer ce genre de politique. Premier élément,
première recommandation, c'est rendre visible et reconnaître le domaine même de l'économie sociale et solidaire. Alors, peut-être que ça coule de source pour nous, mais nous sommes une minorité minoritaire. Et donc, il est important de savoir de quoi parlent, que les acteurs eux-mêmes de ce domaine se reconnaissent sous cette bannière, si vous voulez, de l'ESS. Et donc, il est bien de le préciser. Parfois, on a pu avancer parce que ça est plus institutionnalisé, mais ce n'est pas le cas partout. Donc, le premier pilier de la politique de la mairie de Barcelone a été de reconnaître et sensibiliser ce domaine de l'économie sociale et solidaire dans son sens le plus large. Et que les acteurs eux-mêmes se reconnaissent également sous le thème économie sociale et solidaire. Cela veut dire qu'il doit aussi exiger une stratégie qui corresponde à leur profil. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Deuxième recommandation, les fonds, l'argent, le financement. La bonne volonté, c'est bien, mais ça ne va pas très loin et il est donc nécessaire d'avoir un financement généreux et sur une longue période de temps. Troisièmement, et je vais conclure, Ilchun, je vois très bien que vous allez dégainer le carton, qu'il me reste peu de temps. Donc, troisième recommandation, il faut aussi des personnes volontaristes proactives qui soient aux avant-postes de l'élaboration de la politique, qui soient du côté des acteurs de terrain, mais également à côté des décideurs politiques, c'est-à-dire des personnes qui ont envie de mobiliser tous ces acteurs. Ça, c'est aussi une condition pour mobiliser le monde politique et les acteurs. Et bien sûr, ça passe par de la formation, etc. Voilà les éléments principaux que je voulais souligner. Évidemment, il faut aussi un processus d'innovation politique, etc., bien sûr. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comme vous le savez, peut-être pas, notre institut est l'institution onusienne la moins bien dotée au niveau des financements. Et je dis toujours à mes collègues que si l'UNRISD est reconnue et visible dans le discours sur le développement, à ce moment-là, on arrivera à changer les choses. Donc, le financement, la dotation est importante, bien sûr, et comme l'a dit Raphaël, si l'ESS est rendu visible et reconnu dans différents secteurs. Et si nous pouvons compter sur des personnes qui ont une forte détermination, une bonne stratégie, à ce moment-là, on pourra trouver l'argent. En tous les cas, c'est ainsi que je vois la chose. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose de clôturer la première partie de notre réunion et nous allons faire une pause de 10 minutes. Alors, allez boire un coup, détendez-vous les jambes, allez aux toilettes si vous en avez besoin. On se retrouve dans 10 minutes. À tout à l'heure. Merci. Hi, Susan. I'm good, and you? Very good. Thank you, Heidi. I'm doing fine. I'm prepared. Bonjour, Susan. Où êtes-vous? Eh bien, j'espère pouvoir m'en tenir aux 15 minutes. Oui. Very sorry in advance. Je m'excuse par avance, dit Ilchun. À quelle heure finit-on? Il nous reste 1h30. Je crois que c'est à moi de reprendre, dit Susan Steinmein, absolument. Eh bien, nous sommes tous de retour. Bonjour à nouveau.
Pouvez-vous allumer vos caméras et vos micros et crier « Nous sommes tous de retour » ou nous faire signe à tout le moins. Merci beaucoup. Nous sommes de retour pour ce deuxième volet de la session. La première intervenante de ce deuxième volet est Madame Suzanne Steinmein qui va nous parler de l'étude de cas dans la ville de Durban en Afrique du Sud. Vous avez la parole. Bonjour, bonjour à tout le monde, notamment Il-Chiong Ye, j'espère bien prononcer votre nom. Bonjour aux modérateurs, merci aux orateurs, bonjour au public. Et j'aimerais remercier l'UNRISD ainsi que le GSF. Je m'appelle Suzanne Steinmein. J'enseignais avant à l'Université du Nord-Ouest de l'Afrique du Sud, mais je suis maintenant chercheuse à l'Université de Pretoria. L'étude de cas porte sur la ville de Durban en Afrique du Sud. Alors, permettez-moi de partager mon écran. Alors, nous y voilà. Il s'agit donc de créer un environnement propice pour l'ESS par le biais de politiques publiques à Durban. Quelques données sur Durban. Durban est situé dans ce qu'on appelle la métropole municipale de Etiquini. Etiquini signifie en Zoulou la baie, le lagon. C'est la troisième plus grande ville d'Afrique du Sud et elle abrite le siège justement de la métropole municipale Etiquini. Il y a 3,44 millions d'habitants et donc il s'agit d'une plus grande des agglomérations du continent africain. Durban est le plus grand centre industriel et manufacturier d'Afrique du Sud, après Johannesburg. Alors, quelle a été la méthodologie suivie dans l'étude de cas? Je crois que tout le monde voit l'écran. Je passe à la suite. Ce ont été les domaines de l'étude de cas, et bien un aperçu de l'ESS en Afrique du Sud, les synergies au niveau national, provincial et local. Et puis également, il y a une référence faite au cadre juridique. Ensuite, deuxième domaine couvert, la coordination entre la métropole Etiquini ou Durban et les autres paliers de gouvernement. Troisièmement, la capitalisation ou l'utilisation, disons, de politiques existantes propices et la mise en relation avec les institutions et organismes gouvernementaux en général et en particulier dans les métropoles Etiquini de Durban, identification des acteurs clés au niveau de l'administration, en particulier l'administration locale, identifier les niveaux, identifier les politiques, les interactions avec les différents acteurs comme la Chambre de commerce et d'industrie, les universités, les organismes, le secteur privé, planification par les autorités locales pour mettre une stratégie pour promouvoir l'ESS, financement, formation, renforcement de capacité, amplification, suivi et évaluation. Quelles sont les principales conclusions? Eh bien, l'ESS inclut le secteur associatif à but non lucratif, mais également les entités créées au titre de la législation de 2008. Il y a également les coopératives et le secteur de l'économie informelle n'est pas véritablement régi
par une législation précise. Il est régi par les ordonnances municipales et celles-ci varient de ville en ville. Et bien sûr, il s'agit aussi de ce pencher sur la loi de 2008 ainsi que la loi sur les banques coopératives. Tout ceci sont inclus dans l'étude. Donc, que peut-on dire de l'ESS à Durban et en Afrique du Sud? Quelle est la taille de ce secteur? Eh bien, lorsqu'on examine les statistiques officielles émanant de l'administration centrale, on estime que en Afrique du Sud, les entités de l'ESS, pas le volume de capacité, mais les entités de l'ESS représentent environ 16 et 18% des entités économiques officiellement immatriculées. Certaines personnes disputent ces statistiques, les contestent. Mais et à moins que les choses soient précisées par l'administration centrale, il y a toujours une incertitude sur le nombre d'entités opérant dans le domaine de l'ESS. Et donc, par conséquent, nous avons toujours une incertitude sur la taille véritable de ce secteur. Qu'en était-il du développement de politiques? Eh bien, les politiques partent du niveau national et coulent jusqu'au niveau local en passant par le palier provincial. Chaque strate apporte une valeur en plus à chaque étape, à partir de la conception jusqu'à la mise en œuvre et l'évaluation. Par exemple, l'administration centrale nationale d'Afrique du Sud élabore les politiques. Les législatures, les parlements provinciaux développent des stratégies visant à atteindre les objectifs fixés par la politique nationale. Et il appartient aux collectivités locales de les mettre en œuvre, ces stratégies ou ces orientations. C'est-à-dire que ce sont des documents qui traduisent pour le niveau local ce qui est prévu dans la province pour l'adapter au contexte local. La Constitution de la République d'Afrique du Sud reconnaît que les trois sphères du gouvernement sont distinctes, interdépendantes et interreliées. Ça, c'est très important. Donc, ils doivent coopérer, particulièrement dans les thèmes transversaux. Ceci a été entrepris dans le cadre de la loi sur le cadre régissant les relations entre les différentes strates du gouvernement en 2005. Alors, par l'acronyme DSBD signifie le département du développement des petites entreprises et est garant de la politique de l'ESS. Mais malheureusement, au niveau des provinces, l'une des personnes interrogées a dit que, en tout fait, au niveau local, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Il y a différents programmes de coopératives, d'entreprises sociales, ou des politiques et des programmes pour le secteur à but non lucratif. Ils établissent aussi des stratégies locales à partir de la stratégie provinciale. Donc, les relations intergouvernementales entre les différents niveaux des départements gouvernementaux ou, disons,
ces gouvernements sont définissent comme coopérants. Il y a à l'heure actuelle un projet de livre vert sur l'économie sociale. Ce projet de livre vert doit suivre les procédures habituelles en termes de consultation. Donc, avant qu'il devienne un livre vert, il doit encore faire l'objet d'une signature pour devenir loi. Il y a une nécessité urgente ici que les entreprises sociales disposent d'un cadre juridique distinct et ce projet de livre essaie de refléter une politique pour l'économie sociale et établir des entités sociales qui sont souvent des organisations hybrides. Du point de vue du financement, les organisations de l'ESS rencontrent des difficultés pour accéder au financement. Si vous êtes une entreprise sociale, notamment, les agences gouvernementales seront dans une situation un petit peu différente. Un soutien non financier est souvent apporté par le biais de différentes interventions. L'interprète s'excuse, mais la qualité du son n'est pas suffisante pour assurer un service de qualité. Donc, la question des conflits est également un conflit important, un problème important. Cette question est abordée par la municipalité de Durban ou la municipalité métropolitaine de Tekwini. Le gouvernement local essaie de dépasser ces problèmes en lien avec la motivation, la proximité et le transport. Il vous reste 3 minutes. Très bien. Donc, la coopération internationale, je ne vais pas entrer dans le détail. Donc, il y a ensuite des problèmes de synergie au niveau de la constitution des coopératives et des lois en lien avec le travail en Afrique du Sud. La formation contribue au succès. Les formations sont garanties par la municipalité métropolitaine de Tekwini, mais également par l'Agence pour le développement des petites entreprises. La Chambre d'industrie et de commerce de Durban assure également des formations. Il y a la question également de la synchronicité, donc avec la rationalisation et la consultation de tous les acteurs. Et c'est de là que vient le succès de la détermination de la municipalité métropolitaine pour co-construire des politiques et mettre en œuvre ces dernières avec les organisations de l'ESS. Les relations sont rendues plus solides avec les prestataires de services. Ceci rend la commercialisation difficile. Il y a également des liens des agences stratégiques qui doivent être tissés entre les commerces et la municipalité métropolitaine, et ce, avec les détaillants. Il y a la question des approvisionnements également. Les pratiques de la municipalité métropolitaine en termes d'approvisionnement cible avec les organisations de l'ESS. Il vous reste 1 minute. Très bien. Alors, vous pouvez lire la diapositive. Il y a ensuite la question du secteur informel, notamment avec son importance dans le cadre des réponses aux catastrophes naturelles. Il y a ensuite la question de la commercialisation des technologies. Il faut renforcer l'ESS dans le cadre de la quatrième révolution industrielle.
Et donc, en conclusion, certains défis doivent être abordés au niveau national avec la législature provinciale et le gouvernement de ce niveau pour réduire les formalités administratives et rationaliser la législation tout en abordant les autres défis auxquels sont confrontées les organisations de l'ESS. Ceci peut se faire par la création de coopératives de travail. De la même manière, la Chambre de commerce et d'industrie de Durban est un exemple de coopération entre le secteur privé et le secteur de l'ESS. Ceci est une source d'espoir que j'ai pu retirer de l'étude. Les universités locales et les agences gouvernementales du domaine sont activement engagées auprès des organisations de l'ESS dans la communauté et contribuent au fonctionnement de ces entités. Donc, ceci contribue à un environnement propice pour l'ESS. Il y a une co-construction des politiques avec l'ensemble des acteurs. J'espère que je m'en suis tenue au temps imparti. Je vous remercie. Merci, Susan. Passons maintenant à la prochaine présentation avec Alan Southern de l'Université de Liverpool. Merci beaucoup. Je vais essayer de partager mon écran. Je peux avec moi, for a moment, please. Susan, un petit moment, s'il vous plaît. Susan, pourriez-vous mettre fin au partage de votre écran, s'il vous plaît? Can you see that? Pouvez-vous voir ma présentation, demande Alan. Okay, so, I'm Alan Southern. Très bien, je suis Alan Southern. Je travaille au niveau de l'Université de Liverpool. Ma collègue n'a pas pu être présente aujourd'hui, Helen Heap. Donc, je vais réaliser ma présentation sur la politique publique et la décentralisation en soutien à l'ESS dans la région urbaine de Liverpool. Donc, lors des 15 prochaines minutes, je vais essayer de voir quelles sont les sortes de politiques publiques qui peuvent favoriser l'ESS. Nous allons voir également comment la politique publique a façonné l'ESS au niveau de la région métropolitaine de Liverpool. On verra quelle forme cela prend. Ensuite, nous verrons comment les politiques du secteur public et leurs plans peuvent garantir plus de développement de l'ESS dans une région métropolitaine telle que celle de Liverpool. Tout d'abord, nous avons un cadre national pour l'ESS au Royaume-Uni. Donc, il y a une absence de forme juridique pour l'ESS ou pour les entreprises sociales. Ce concept est limité au niveau des descriptions. Ensuite, il n'y a pas donc de forme juridique, en effet. Le secteur est souvent placé face à un désavantage. L'accent qui est mis sur les commerces en tant que tel entraîne également un désavantage au Royaume-Uni. Nous avons donc une loi sur les sociétés et ceci détermine le sort des différentes entités. C'est la raison pour laquelle il y a une tendance à soutenir les organisations les plus importantes, les plus grandes. Les petites entreprises, les entreprises sociales, les organisations de l'ESS sont souvent placées face à un désavantage dans le cadre de l'économie. Il y a également une croyance en faveur de la déréglementation, notamment en Occident et au Royaume-Uni. Les réglementations vont en direction du secteur à but lucratif et la croissance lors de ces 40 dernières années est en lien avec les activités des institutions internationales financières. Donc, l'accent a été mis sur les idéaux mercantiles liés au marché pour l'entreprise sociale, spécifiquement depuis le milieu des
les années 90. Donc, il y a une partie de cet idéal par rapport à la troisième voie qui a été développée par le New Labour. C'est là que des départements du commerce et de l'industrie ont commencé à développer des définitions de l'économie sociale. Dans le cadre de cette troisième voie, on parle ici de nouvelles formes de privatisation qui ont été stimulées. Il y a eu également un encouragement en faveur des organisations caritatives pour garantir une plus grande professionnalisation de ce côté. Bien moins d'attention a été prêtée au fonctionnement des organisations de l'ESS sur les marchés en lien avec l'appropriation solidaire. Donc, il y a ici un clivage entre la manière dont le parti du Labour a envisagé cette question-là en lien avec les entreprises sociales. Donc, le cadre social a produit ces 10 dernières années des aspects intéressants et ceci a entraîné un impact direct sur l'économie sociale. Nous avons donc la définition d'une société d'intérêt communautaire. La question de l'actif de travail a été notamment définie. S'il y avait un acteur détenu par une entreprise sociale, précisément, alors il pouvait être revendu par une communauté, par exemple. Une nouvelle législation a été élaborée pour travailler sur la question des coopératives, notamment les sociétés de bénéfices communautaires également. Un accent a été mis également sur les coopératives communautaires. La population a pu avoir un enjeu dans le cadre de ces coopératives. Il y a eu une modification au niveau de la loi sur les organisations caritatives également dans notre pays. L'idée étant également de lever un petit peu le fardeau financier reposant sur ces dernières. Une législation importante élaborée il y a environ 10 ans est la loi sur les services publics, valeurs sociales. Les organisations publiques peuvent donc définir leurs valeurs sociales. Ensuite, il y a eu la question de la décentralisation du transfert de responsabilité. Donc, une forme limitée de parlement a été instaurée au niveau du Pays de Galles et de l'Écosse, notamment. Et voilà quelle a été la source de la création de la région métropolitaine de Liverpool. Ici, vous avez une carte de la région métropolitaine de Liverpool. Vous voyez qu'il y a une rivière au milieu. La population est d'environ 1,6 million de personnes. Il y a 6 autorités de district ou quartier. Il s'agit d'autorités combinées. Il s'agit d'une région qui souffre économiquement depuis les années 70 et elle s'est trouvée au centre également de la crise sanitaire publique provoquée par le COVID-19 et a beaucoup souffert. Par conséquent, et ceci s'est ajouté à la pauvreté qui caractérise la région. L'histoire de l'ESS dans la région est une histoire de philanthropie, de fiducie caritative, de coopérativisme, de mutualisme, d'unionisme commercial. Tout ceci est souvent lié au commerce des esclaves. Lors de la dernière partie du XXe siècle,
Avec la restructuration de l'économie, on a vu un développement au niveau des communautés avec l'instauration de coopératives de logement notamment. L'objectif 1 de l'Union européenne en termes de financement soutient donc le secteur, le développement du secteur des entreprises sociales. Il s'agit d'un bon point étant donné que la région souffre d'une importante pauvreté. À l'heure actuelle, maintenant, il faut savoir qu'en 2016, nous avons réalisé un recensement de l'ESS. On a recensé 1400 organisations commerciales au niveau de la région. Nous estimons probablement à 2000 ce nombre aujourd'hui. Ceci représente environ 45 000 employés pour 3 milliards de livres de revenus. Donc, comme je le disais, il y a une pauvreté persistante. C'est la raison pour laquelle on attend fortement une réponse de l'ESS. Et les secteurs les plus concernés sont l'éducation, le logement, la santé, le social, les arts et la récréation. Sur cette carte, vous voyez où se situent principalement les organisations de l'ESS. Il s'agit des organisations qui réalisent une activité de commerce, disons. Donc, elles se situent dans les zones qui souffrent des indices de précarité les plus élevés, disons. Maintenant, lorsque l'on regarde où se situent ces organisations, il faut savoir quel est le lien entre la présence de ces organisations et la pauvreté, comme je le disais. Et je ne vais pas entrer dans le détail, mais on peut citer les défaillances du marché, le désengagement de l'État, la privatisation, le positionnement historique de l'ESS. Comment pouvons-nous donc utiliser la politique publique pour stimuler l'ESS dans la région métropolitaine? Donc, on peut utiliser la politique nationale lorsque nous le pouvons. Nous pouvons le faire en collaboration avec le secteur public. Il faut travailler sur la question de la loi sur la valeur sociale en lien avec la mise en place de marchés publics. Ça a déjà été mentionné. Il faut également encourager les initiatives de régénération territoriale. Nous pouvons également voir au cours des 5 dernières années que des groupes de référence de l'ESS ont été établis au niveau de l'administration. Ça a eu une influence sur le plan pour la prospérité au niveau des filets de sécurité sociale, mais ça n'a pas suffisamment influé par rapport à la transition écologique. Il y a eu une entreprise d'investissement, un fonds d'investissement qui a été créé, qui permet de mobiliser les fonds et les redistribuer auprès d'organisations de l'ESS. Et puis, la commission sur le foncier aussi permet d'épauler ses efforts. Alors, qu'a besoin l'ESS? Plus d'organismes d'appui, une plus grande mobilisation. Il faut également que ce soit davantage diversifié, notamment les populations issues de la diversité, les populations marginales. Ces acteurs doivent être intégrés. Et il faut aussi former les jeunes. Et il faut également davantage de formes de financement et d'investissement social. Et il faut mieux cibler et avoir une meilleure compréhension des acteurs qui existent actuellement.
Alors, actuellement, c'est le parti conservateur qui est au pouvoir. Il doit cohabiter aussi avec des maires locaux travaillistes, donc c'est compliqué. Par ailleurs, le transfert de compétences existe, mais souvent c'est faible. Il y a de la privatisation et moins de ressources disponibles. L'ESS n'est pas suffisamment capitalisée, elle n'est pas suffisamment dotée. Les défis posés par le changement climatique, les inégalités constituent un défi de taille aussi dont il faut se saisir. Merci beaucoup. Vous pouvez respirer, Alan, lui dit Elchang. Prochain intervenant, nous allons entendre Margie et Nancy de Montréal, qui sont les leaders à Montréal pour faire la promotion et garantir l'essor de l'ESS à Montréal, mais dans le Québec aussi. Donc, mesdames, vous avez la parole. Bonjour, bonsoir et bon après-midi à tous. Elchang a accepté de faire défiler notre présentation parce que en présentant les choses à deux, on avait peur de se mélanger les pinceaux. Eh bien, nous pouvons lancer la présentation. J'aimerais que nous rendions hommage à Yuna He également, qui est le troisième co-auteur, qui est à Vancouver en ce moment. Donc, c'est peut-être un peu trop tôt pour que cette personne nous rejoigne. Elle est également chercheuse. Elle était chercheuse auprès de CITIS, qui est le Centre international de transfert d'innovation et de connaissances de ESS à Montréal. Liverpool, à part de nous avoir donné l'ESS, a donné à les Beatles, mais Montréal, en plus de l'ESS, a donné au monde aussi Leonard Cohen. Premier écran, première diapo, merci. Alors, en préambule, je dois dire que quelques éléments factuels manquent. Tout d'abord, Montréal est une région, il y a l'île de Montréal et la région métropolitaine. La région est 4,2 millions d'habitants, l'île de Montréal 1,9 million. La population du Québec est à peu près de 8 millions d'habitants et l'ESS, selon le Bureau des statistiques, de 2016 représente 67 000 emplois environ. 75% sont des entreprises à but non lucratif et le restant sont des coopératives. Le Canada est un État fédéral avec constitution en ce sens, ce sont les provinces qui sont aux manettes et les villes, les municipalités ont en fait un pouvoir résiduel. Mais le paradoxe pour Montréal, c'est que même avec des compétences limitées, la responsabilité pour les villes comme Montréal n'ont cessé de croître de façon exponentielle, je dirais, au cours des 20 dernières années et encore plus au cours des 10 dernières années. Montréal doit mettre en œuvre des politiques dérivées qui émanent du gouvernement fédéral. Et ce qu'il faut retenir et ce qui est important pour Montréal, je reviens à ce qu'a dit Elchang tout à l'heure, c'est qu'il y avait des obstacles au moment de nouer du dialogue avec les décideurs politiques. Eh bien, au Québec et à Montréal,
L'ESS est ancré, s'appuie sur le dialogue, les processus de co-création, et sans ces deux éléments, l'ESS n'aurait pas atteint le statut qu'elle a actuellement à Montréal et au Québec. C'est l'action collective, le partage d'expériences, la mobilisation des connaissances communes, c'est vraiment ce qui est à la racine et au cœur même de l'ESS. Écran suivant. De plus, l'ESS à Montréal et à Québec est ancré dans une approche écosystémique. Les acteurs de ce domaine, au fil des ans, ont créé des outils propices, des outils d'appui financier, transfert de connaissances, mobilisation citoyenne et outils de commercialisation. S'agit là de bonnes théories. Ce sont véritablement des approches intégrées, globales et territoriales, qui est complètement différent d'approches exogènes émanant de sphères verticales. Et on dit souvent que le tout est plus important que les éléments qui le composent. Et là, c'est véritablement une stratégie qui s'appuie fortement sur tous ces acteurs et tous ces éléments. Il s'agit d'un exemple de co-construction dans lequel les acteurs ne cessent de jouer un rôle de premier plan par rapport aux compétences et aux savoirs de l'ESS sur la base des besoins et des aspirations. Ça, c'est important parce que de plus en plus de jeunes sont attirés par l'ESS. Et ce processus de co-création se voit également au sein de l'administration, car il y a davantage d'horizontalité entre les différents services, mais également au niveau vertical. Écran suivant. Alors, on revient au débat bonne théorie, mauvaise théorie. Alors, nous avons ajouté ceci, ce diagramme, pour montrer que au moment de contextualiser ce qui se passe, la théorie, c'est stratégie. C'est une stratégie qui permet de démontrer que ce qui se passe a la capacité de générer des richesses, des emplois et davantage d'insertion sociale et de développement durable. Ce diagramme vous montre qu'à droite, de haut en bas, vous avez le besoin de coordination entre les différents paliers de gouvernement pour s'assurer qu'il y ait un alignement entre les différents types de politiques. À gauche, vous voyez la co-construction, les intermédiaires qui existent au niveau des réseaux de l'ESS. Et ces intermédiaires doivent co-construire, dialoguer ensemble, mais avec aussi les différents paliers de l'administration. Nous avons ajouté l'échelle supranationale, mais il faut aussi ajouter, en plus de l'UE, peut-être les acteurs que sont le GSEF et les autres institutions qui œuvrent pour l'ESS. Cela veut dire que nous avons une mine de ressources et de connaissances et il s'agit de leviers sur lesquels nous devons nous appuyer. Écran suivant, avant de donner la parole à Nancy. Voilà les grandes années qui ont marqué l'évolution des initiatives d'action politique. Vous avez tout d'abord la loi de 2013 sur l'économie sociale qui a été donc promulguée en 2013 par le Parlement québécois. Vous avez également deux PAGES, qui sont des plans d'action gouvernementaux pour l'économie sociale, le premier de 2014 et le tout dernier qui a été promulgué en 2020, qui porte sur la période 2020-2025. Il y a également le portrait statistique national de l'économie sociale du Québec, publié en 2019, qui est une mine d'informations sur les données statistiques de l'ESS.
Et je donne maintenant la parole à Nancy. Pour le reste, elle vous donnera des exemples de politique municipale. Merci beaucoup. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je voudrais vous parler de ce qui se passe à Montréal. Il est important de souligner que on ne va pas l'appeler politique véritablement, mais c'est un partenariat de l'économie sociale pour le développement communautaire et durable de 2009 qui a permis. C'est la mauvaise diapo, c'est la diapo précédente, s'il vous plaît. Donc, c'est vraiment un partenariat qui a donné le ton de l'importance de co-construction. C'est un partenariat signé avec la municipalité de Montréal et qui reconnaît que l'ESS, tel que porté par la ville de Montréal, doit répondre aux besoins de la population en termes de loisirs, d'habitat, d'emploi, d'insertion sociale et que la ville doit jouer ce rôle et qu'en retour, elle doit aussi soutenir l'ESS. Donc, il s'agit aussi d'un renforcement mutuel et d'un appui mutuel. Il y a eu en 2009 la création du Bureau de l'économie sociale établi au sein du département de développement économique. En 2013, il y a eu une initiative d'achat public, de commande publique de la ville de Montréal qui s'appelle l'économie sociale J'achète, qui a rallié le réseau de l'ESS à Québec et à Montréal précisément. Écran suivant. Et puis, il y a eu beaucoup d'investissements, notamment dans l'immobilier. Nous avons un réseau ou une agence qui vise à soutenir les PME. Il y a ce fonds de développement de l'économie sociale qui offre des subventions. Et pour répondre au problème de l'habitat et du logement, il y a une initiative qui s'appelle Accès au logis Montréal et notamment par le biais des entités de logement, de bailleurs de logement du secteur associatif. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, il y a eu un partenariat avec les entreprises de l'ESS dans le domaine alimentaire pour réduire les déchets et gaspillage, pour améliorer l'accès à l'aliment de la population montréalaise avec ce qu'on appelle le système alimentaire de Montréal en 2016. Ensuite, l'économie sociale a été intégrée dans ce plan d'action d'innovation sociale et pour l'entrepreneuriat, le logement abordable, d'autres mesures, mais il y a eu aussi de l'investissement dans les infrastructures locales. Il y a plusieurs années, avec les pouvoirs publics, nous leur avons dit qu'il est important d'investir dans les infrastructures physiques, mais également dans les infrastructures sociales. Le modérateur indique à Nancy qu'il lui reste 3 minutes. Très bien, j'accélère. Et il y a eu d'autres initiatives de politique sectorielle avec, dans les secteurs traditionnels et non conventionnels. Écran suivant. Plus récemment, il y a eu des évolutions suite à la COVID, donc une politique d'achat et de commande publique, davantage d'habitats citoyens et associatifs. Et puis, des étudiants ont décidé de construire des coopératives de logement. Exemple tout à fait intéressant, diapo suivante. Alors, je n'ai pas le temps, mais là, on parle d'obligations citoyennes et j'aimerais conclure avec les enseignements tirés. Alors, la réussite de l'économie sociale
tient notre marque de commerce, à savoir notre approche écosystémique intégrée qui porte sur le transfert des connaissances, les entreprises à petite échelle. Cet écosystème s'appuie sur les partenariats et la co-construction. Dès le départ, il fallait que ce soit conçu comme un partenariat et reconnaître l'importance de l'ESS dans la vie des Montréalais et Montréalaises. Ce qui mobilise les jeunes, mais aussi les fonctionnaires et certains décideurs politiques, c'est que l'ESS est perçu comme pas quelque chose d'isolé, mais qui permet d'accélérer et d'accompagner la transition écologique et la transition sociale, et particulièrement dans le milieu urbain. Étant donné cet ancrage citoyen associatif, les jeunes sont attirés par ce domaine. Et l'un des éléments qui a fait l'objet d'études par plusieurs chercheurs, c'est que la nouvelle cohorte de jeunes qui arrive dans l'ESS dispose de différentes compétences. Il y a des ingénieurs, des architectes, donc des nouvelles compétences qui arrivent dans l'ESS et qui vont permettre de l'élargir davantage. Je crois que j'ai fini et que je suis dans les temps parce que c'est la dernière diapositive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais j'aimerais ajouter que l'histoire n'est pas finie pour Montréal, que le cheminement se poursuit. Merci beaucoup. Merci, Nancy et Margie. Sachez que ces études de cas ont fourni la substance même pour l'élaboration des lignes directrices. J'aimerais donner la parole à Hamish Jenkins pour qu'il nous les présente. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Il-Chang-Yi. Merci aux orateurs, aux et oratrices qui ont présenté les études de cas que j'ai eu le plaisir d'examiner. Find my presentation. Do you see it? Et d'étudier. Nous pouvons voir le message. Très bien, on a la première diapositive maintenant. Can you see it? Yeah. Okay, so well, it's my pleasure. Très bien, donc c'est un plaisir de présenter les lignes directrices pour les gouvernements locaux sur les politiques publiques en faveur de l'économie sociale et solidaire. C'est le résultat d'une année de travail environ. L'objectif des lignes directrices et de fournir des orientations pratiques aux responsables de l'élaboration des politiques, notamment au niveau infranational, afin de développer et de renforcer les écosystèmes de l'ESS sur leur territoire. L'objectif est de garantir leur établissement, leur croissance dans les meilleures conditions possibles sur leur territoire. Quels sont les lecteurs cibles de cette publication? Bien sûr, les fonctionnaires gouvernementaux intéressés dans la promotion de l'ESS sur leur territoire, les praticiens et les défenseurs de l'ESS, les universitaires également et les autres parties prenantes. Quelle est la procédure que nous avons suivie pour élaborer ces lignes directrices? Nous avons déjà pour commencer à réaliser des entretiens avec toute une série d'officiels, de responsables gouvernementaux locaux pour connaître leurs demandes et leurs besoins spécifiques pour ces lignes directrices. Comme je l'ai indiqué précédemment, il s'agit également du résultat qui émane des 7 études de cas dont nous venons d'entendre les présentations. L'idée essentielle de ce document consistait à refléter, disons, la structure
demander aux différents auteurs pour suivre un format commun afin de dégager des recommandations en matière de politique s'agissant des angles, des perspectives complémentaires à aborder. L'objectif étant d'étendre les écosystèmes de l'ESS dans le contexte politique et culturel. Donc, le premier chapitre, en lien avec l'introduction, vise à aborder la co-construction de la politique publique pour l'ESS. Il fournit des orientations pour savoir comment utiliser toute une série de mécanismes et d'approches pour la co-construction de politiques et de plans en matière d'ESS. Le deuxième chapitre examine le cadre juridique pour l'ESS. Donc, il introduit les institutions juridiques qui réglementent et soutiennent l'ESS au niveau international et mondial, c'est-à-dire supranational, national et infranational. Nous expliquons et mentionnons différents chemins pour développer ces cadres juridiques. Troisièmement, nous avons abordé comment intégrer l'ESS dans les plans de développement plus globaux. Ceci explique comment l'ESS peut être incorporé au plan et au programme de développement aux différents niveaux de gouvernement en lien avec l'établissement de plans et de programmes spécifiques à l'ESS qui peuvent être soit indépendants, soit réalisés en synergie avec des plans de développement plus larges pour un territoire. Quatrième chapitre, un chapitre sur l'organisation, les organisations de soutien à l'ESS. Le chapitre examine les différentes trajectoires pour le développement d'organisations de soutien en faveur de l'ESS. Donc, nous parlons des organisations gouvernementales avec un mandat spécifique pour soutenir l'ESS, les organisations intermédiaires engagées dans la co-construction de politiques et leur mise en œuvre, et d'une manière plus large, les réseaux, les associations d'ESS travaillant à travers la juridiction d'une ville ou d'une région. Cinquième chapitre, le renforcement des capacités. Donc, ceci explique et présente plusieurs politiques, plusieurs institutions visant à renforcer les capacités et à fournir des services de formation en matière de gouvernance et relatives aux fonctions pour favoriser les entreprises et leur permettre d'être plus efficaces dans l'économie de marché, ainsi que plus pertinentes et plus génératrices d'impact sur la communauté. Le prochain chapitre est en lien avec l'accès au financement. Cela illustre différentes mesures politiques visant à faciliter l'accès des organisations de l'ESS et leurs organisations, leurs entreprises pour accéder à la finance publique à différentes étapes du développement, y compris la finance sociale et solidaire, les prêts publics, les subventions, les donations privées. Nous avons également analysé les avantages et les inconvénients, notamment des obligations à impact social. Le septième chapitre examine l'accès au marché pour l'économie sociale et solidaire. Ceci explique les achats, la consommation, l'approvisionnement en biens émanant de l'ESS dans le cadre des marchés privés et des marchés publics. Cela met en lumière également la question de l'accès des organisations de l'ESS à différents types de marchés. Le huitième chapitre du document traite de la stratégie de communication de l'ESS à des fins de sensibilisation et de plaidoyer. L'objectif étant ici d'orienter les gouvernements, les responsables gouvernementaux et d'autres acteurs qui ne connaissent pas encore l'ESS et ses avantages. Enfin, il y a un recensement qui est fait
des entreprises et des organisations de l'ESS, donc des actions de recherche et de collecte de données qui introduisent les méthodes de collecte de données pour l'ESS en examinant tant les méthodes les plus conventionnelles utilisées dans les pays les plus avancés que des approches plus innovantes visant à mieux recenser les organisations de l'ESS qui n'entrent pas forcément dans le cadre des registres administratifs, notamment les organisations qui travaillent dans le secteur informel. Chacun de ces chapitres est censé être lu indépendamment, mais ils sont tous bien sûr interliés. Le format de ces chapitres est le suivant. Donc, il y a d'abord une introduction, puis le corps principal qui donne le détail de l'objet, du champ d'application de la substance, ainsi que les options politiques pertinentes ou les défauts des politiques. Il y a ensuite une section d'orientation qui fournit une liste de contrôles, un organigramme de questions et de réponses pour orienter les analyses stratégiques sur le contexte et les processus nécessaires pour améliorer les politiques et les institutions actuelles. Cette section montre également les informations pertinentes qui peuvent être trouvées dans d'autres chapitres. Je vais donner un exemple de l'un des chapitres relatifs à l'accès au marché pour l'ESS. Il s'agit bien sûr d'un aspect fondamental pour le développement et la durabilité. Donc, essentiellement ici, du point de vue des politiques publiques, il y a une option qui consiste à augmenter et à développer les opportunités en matière de marché public en direction de l'ESS. Ceci peut prendre deux formes. Une première forme consiste à intégrer l'ESS avec l'introduction d'un plus grand nombre de critères sociaux et environnementaux pour les marchés publics. Donc, l'ESS est alors considéré comme un créneau, en l'occurrence. Notre voie peut consister à réserver des contrats spécifiquement pour les entreprises, les organisations qui répondent aux critères de l'ESS définis dans telle ou telle juridiction. Vous aurez noté que l'ESS continue de représenter une faible proportion des marchés publics malgré l'engagement qui a été pris de part et d'autre pour soutenir ces marchés publics en faveur de l'ESS. Un obstacle est notamment en lien avec les formations qui sont nécessaires pour dépasser le critère du prix le plus bas parmi les responsables de l'affectation des marchés publics. Donc, il y a ici une nécessité en termes de formation. Au lieu de regarder le critère du prix le plus bas, il faut voir les avantages plus globaux que l'ESS peut apporter au gouvernement en termes de durabilité et voir la question des coûts qui sont autrement externalisés. Le deuxième marché important, disons, et le marché lié directement aux consommateurs ou aux autres entreprises. Il s'agit d'autres entreprises de l'ESS ou d'entreprises plus conventionnelles, disons. Hamish, il vous reste 3 minutes. Merci. Donc, ceci peut se faire par le biais d'une réglementation directe et indirecte. L'instauration de plateformes de mise en relation, comme on a vu que c'était le cas à Séoul, et les campagnes de marketing et les salons. La certification ESS est également essentielle pour veiller à ce que les produits soient
certifié ESS. Pour conclure brièvement, il existe toute une série de thèmes transversaux à travers les chapitres du document. Tout d'abord, il y a une nécessité d'une co-construction des politiques entre le secteur public et les acteurs de l'ESS pour veiller à ce que les politiques développées correspondent aux conditions et aux besoins sur le terrain. Ce processus de dialogue politique continu doit être compris par les gouvernements, non pas comme un coût, mais comme un investissement indispensable pour se détourner des risques d'échec des politiques. On a des exemples de ceci dans certaines études de cas. Il y a également une nécessité d'assurer la continuité politique à long terme, au-delà des cycles politiques, qui tendent à être bien plus courts en réalité que les stratégies de développement territorial de l'ESS. Idéalement, ceci peut être garanti à travers une institutionnalisation juridique de l'ESS et ceci doit faire l'objet d'un changement au niveau des politiques. Ceci peut aller également en tandem avec une appropriation plus importante. Il vous reste une minute. Et je citerai les deux derniers domaines finaux. Il faudra voir comment intégrer l'ESS au plan de développement durable plus large. Et il faudra également examiner les difficultés pour communiquer la valeur transformatrice de l'ESS et son poids économique auprès des responsables de l'élaboration des politiques et du public en général. Voilà, je vais en rester là. Je vous remercie, Amish. Ces 7 études de cas, ces documents ont tous été traduits vers le français et vers l'espagnol. Ils sont donc disponibles en 3 langues, anglais, français, espagnol. Vous pouvez trouver tous ces articles sur notre site Internet. Les lignes directrices en tant que telles sont un document très enthousiasmant, tant et si bien qu'il a été traduit vers 5 langues, français, anglais, espagnol. Et devinez les autres langues vers lesquelles il a été traduit. Le vietnamien et le tagalog pour les Philippines. Il s'agit d'un excellent document. Vous pouvez suivre les questions, les réponses pour explorer tous les niveaux d'information et toutes les perspectives qui pourront vous aider à développer les politiques dans votre contexte local. Je vous encourage donc à examiner ces documents sur notre site Internet. Vous avez maintenant la parole. La parole est aux questions, aux réponses. Je vous propose d'activer vos caméras maintenant afin de montrer le meilleur de vous-même et vous pouvez sans problème poser vos questions. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de revenir aux questions que nous avions préparées pour les panélistes. Okay. So I don't see any questions from the Je ne vois pas de demande de prise de parole depuis la salle. Je vous propose donc de revenir aux questions communes. Donc on avait 2 questions tournées vers l'avenir et 2 autres tournées vers le passé ou le présent. Donc tout le monde a la parole, les panélistes, les participants, participantes. Si vous avez une question ou du moins une réponse à ces questions, veuillez partager vos opinions. Alan. So, let's go for Alan. Alan, pour commencer, vous avez la parole. Merci. Ce que nous avons entendu des panélistes. Nous permettent de voir comment les organisations de l'ESS
s'implique au niveau des mouvements sociaux, au niveau du traitement des problèmes que connaissent la population, notamment en lien avec le logement, par exemple, l'abus de stupéfiants. Ceci nous montre que ces personnes ont survécu à des situations très difficiles dans le cadre des subventions, par exemple. Il y a la question de la nécessité de lever des fonds dans de nombreux cas. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est le type de résilience qui a été construite. C'est souvent différent de ce qui semble être positif pour une économie telle que l'entrepreneuriat, par exemple, mais ce qu'on voit souvent au niveau de l'ESS est justement que diverses formes peuvent résider dans l'investissement social, par exemple. Il y a un transfert qui est possible de l'économie sociale vers l'économie générale. C'est la raison pour laquelle une question telle que celle de l'inclusion pour un monde plus inclusif ne peut être séparée des défis tels que ceux liés aux catastrophes climatiques ou à l'inégalité. L'économie sociale peut aborder ces questions et selon mon expérience, même dans le meilleur des mondes possibles, l'ESS doit pouvoir être invité à participer à ces discussions, car elle est liée à l'innovation. Il faudra trouver comment franchir cette ligne pour pouvoir pénétrer le débat plus conventionnel, disons. Je vous remercie. On a en effet peut-être des expériences différentes pour aborder ces questions des inégalités du changement climatique dans certains continents. Il y a plus d'activité au niveau du débat en la matière. Est-ce que quelqu'un pourrait partager son expérience en ce qui concerne ce lien entre l'ESS et les grandes questions, les grands enjeux tels que l'économie et le changement climatique? Merci, puis Margie. Merci, oui. Alors, c'est lié à notre expérience au Québec. L'économie sociale est née et promue et poussée par les mouvements sociaux, les mouvements féministes, les mouvements des personnes marginalisées. Même le mouvement travailliste a été un partenaire important au début de l'économie sociale. Et aujourd'hui, ce sont les jeunes. C'est un lien qu'on ne fait pas suffisamment. L'enjeu climatique, alors, c'est non seulement les jeunes qui se mobilisent, mais le GIEC nous a dit qu'on n'allait pas solutionner la crise écologique en suivant la même logique économique qui a dominé jusqu'à présent. Donc, quand on parle d'économie sociale, ce n'est pas seulement une fin. Organiser l'économie sur la base et en fonction des besoins et des aspirations de la population. Et ces liens sont extrêmement importants. Il faut les accélérer. Pour réagir à Alan et l'effet sur le reste de l'économie. Eh bien, pour les marchés de consommateurs, c'est vrai que même si les acteurs de l'ESS ne contrôlent pas le marché, ils ont l'effet de faire baisser. Les autres acteurs ont pour effet d'aller au moins 10 ans, etc. Et les acteurs de l'économie refusent cela. Et nous voyons des entreprises
qui s'efforce d'être davantage responsable d'un point de vue social. Et l'ESS est importante pour démontrer que tout ce qu'on a asséné comme discours officiel, que c'est le seul modèle capitaliste qui permet de gérer l'économie, ce n'est pas vrai. Qu'il existe une autre façon de faire, et qu'elle réussit, et que cela ait des effets sur l'économie publique et sur l'économie privée également. Merci beaucoup, Margie. Alors, nous avons levé les mains en même temps, ce n'est pas surprenant. J'aimerais approfondir ce qu'a dit Nancy. Lorsqu'on regarde le monde qui est dominé par les principaux acteurs, le paradigme dominant. Dès qu'il y a des crises, eh bien, les gens se réveillent et écoutent. Par exemple, Marc Colony qui a publié un nouvel ouvrage sur les valeurs. Marie Masakuto est en train d'être intégrée dans le courant dominant parce que soudain, les gens du courant dominant se réveillent et se rendent compte que le modèle dominant échoue. Maintenant, si on passe dans notre monde à nous, notre monde de l'alternative, on constate qu'il existe une très grande littérature sur l'économie régénératrice et d'autres aspects. Alors, peut-être que je suis trop optimiste, mais je vois se profiler une convergence des idées, à savoir des concepts plus progressistes qui, d'un côté, et d'un autre côté, les critiques du courant dominant qui sont conscients que rien ne tourne plus rond. Et pour revenir à l'expérience du Québec, il y a eu un moment important, c'est qu'il y a plusieurs années, lorsque Nancy était toujours directrice du chantier de l'économie sociale, qui est un réseau fêtier, elle a été invitée à participer au débat public sur les budgets provinciaux. Alors qu'avant, auparavant, au niveau de ces débats, il y avait les acteurs du secteur privé, des entreprises. Et pour une fois, on a entendu la voix de l'ESS. Donc, il est vraiment important de ne pas tout commercialiser et que nous soyons non seulement prestataires de services sociaux, mais comme acteurs de plein droit du modèle économique, de notre modèle économique. Donc, il y a cette convergence entre les critiques du courant dominant. Nos acteurs qui portent des idées novatrices, je vois un point de convergence et je crois que c'est la COVID qui a un peu secoué et réveillé tout le monde. Alors, il ne faut pas vendre notre âme, il faut simplement dire que peut-être il faut ajouter de nouveaux outils à la trousse à outils traditionnelle. C'est très intéressant justement de faire le lien avec les débats sur les changements climatiques, entre autres, mais ce qui est important de souligner, c'est également de vous livrer des exemples au niveau d'alliances. Au niveau des Nations Unies, il existe un groupe qui s'appelle le groupe de discussion des économistes alternatifs et qui regroupe différents personnels au niveau d'organismes onusiens, mais qui sont animés par des concepts alternatifs, l'économie bleue, verte, l'économie frugale, la sobriété, l'économie sociale, l'économie violette, si on veut l'appeler ainsi, etc. Et ce sont tous les défenseurs de l'économie circulaire, etc. Il y a ces acteurs et puis il y a les acteurs de l'économie circulaire qui ne connaissent mal l'ESS. Les personnes qui défendent l'économie violette, qui est en fait l'économie du tertiaire, ne connaissent mal l'ESS.
Et donc, pour changer le courant dominant des idées économiques, je pense qu'il faut apprendre davantage des différentes économies alternatives, pour faire le lien avec entre l'ESS et d'autres approches alternatives à l'économie. Voilà ma modeste contribution. Qui d'autre souhaite s'exprimer? Suzanne vient de lever la main. Vous avez la parole. There was a speech. I think it's the OECD. They came together and Bill Drayton is. Un discours a été prononcé. Le président fondateur de Shaka a indiqué une chose très intéressante. Il a dit qu'aucune entreprise ne pourrait survivre. S'il ne voulait pas changer, s'il ne se positionnait pas en tant qu'acteur de changement. Et quand on parle d'acteur de changement, évidemment, on pense tout de suite à l'ESS. Il faut saluer ce genre de déclaration. Pour changer, éradiquer les inégalités dans le monde, ce n'est pas seulement l'ESS qui doit porter les solutions, mais l'ensemble des autres acteurs également. Merci beaucoup. Qui d'autre souhaite intervenir? Quelqu'un dans le public, peut-être? Ruth, avez-vous une intervention? Et puis, je vois Roberto qui lève sa main également. Donc, Ruth, vous voulez intervenir? Moi? J'ai pris des notes. Merci beaucoup. Merci à tous. J'ai deux questions. Première question. Ce sont des critères qui ont permis de sélectionner les études de cas. En Amérique latine, il y a beaucoup d'expériences de politique locale, d'économie sociale, et le cas de la ville de Mexico a fait l'objet de beaucoup de critiques. Donc, comment avez-vous sélectionné les études de cas? Deuxième question. Quelle est la première étape du processus de co-construction? Est-ce que quelqu'un parmi les orateurs pourrait nous livrer une réponse? Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ce serait intéressant. En Argentine, ce sont des pratiques qui s'appuient sur un seul... C'est quelque chose de très monolithique. Mais si vous avez 2 heures avec Nancy et Margie, elle pourrait tout à fait vous l'expliquer. Je pense que vous pouvez prendre contact avec elle ultérieurement. Alors, par rapport aux critères de sélection, pour l'Amérique centrale et du Sud, nous avons choisi un seul cas. Mais il va... sans nul doute que des études ultérieures auront lieu parce qu'il y a beaucoup de cas qui existent en Amérique latine et une seule étude de cas ne peut pas parler pour le reste de la région. Et nous ferons peut-être un projet qui portera uniquement sur l'Amérique latine. Je vous avais mis un commentaire sur l'étude de cas de la ville de Mexico. Je voudrais donner la parole à Roberto. Merci beaucoup. Je ne pourrais pas répondre à critères de sélection parce que ce n'est pas nous qui avons décidé, mais qu'a dit Ruth? La réalité d'Amérique latine est vraiment particulière. Différentes. Il y a une diversité de pays et on voit bien que l'Amérique latine est caractérisée par une très grande ruralité. L'article 25 de notre Constitution parle de l'ESS et ça intègre les coopératives, les communautés et ce qu'on appelle les Ejidos. Et les ejidos
C'est une forme très particulière de travail communal et collectif des paysans. Donc, c'est une forme très particulière parce que ça a un caractère privé, mais avec vraiment une forte inspiration communale et collective. Donc, ce sont des spécificités qu'il est peut-être difficile à comprendre parce que la ruralité en Bolivie ou en Équateur sont très distinctes. Et pour le cas du Mexique et de Mexico, il faut savoir que cet article de la Constitution que je viens de citer et qui apparaît dans toutes les entités de l'ESS, eh bien, souvent c'est conçu comme, c'est envisagé comme principalement parlant du mouvement des coopératives. Alors que il y a donc toutes les autres manifestations et expressions de l'ESS n'est pas suffisamment prise en compte. S'agissant de la ville de Mexico, eh bien, vous savez que l'administration est marquée par un grand bureaucratisme. C'est qu'ils construisent, ils établissent des structures de coopératives, mais ils ne forment pas les acteurs qui vont animer les coopératives. Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire, leur tourne. Mais merci beaucoup. Thank you very much. I'd like to go for Hamish. I mean, Hamish, do you have anything to add to what we? Hamish. Avez-vous des réactions? Amish? Je souscris à ce que Ruth a dit. En effet, la co-construction est un élément essentiel dès le départ et nous l'avons observé pour l'ensemble des études de cas. Vous avez parlé de la ville de Mexico comme étant un cas qui n'était pas aussi positif que d'autres exemples en Amérique latine, mais cette étude de cas a le mérite de montrer ce qui se passe lorsque le processus de co-construction déraille. C'est ce qui a été expliqué. Il y a eu un changement de personnel et l'approche de la co-construction s'est détériorée. Et vous pourrez lire les détails dans l'étude de cas. Pour les lignes directrices, nous sommes appuyés également sur d'autres exemples. Notamment ce qui a été fait pendant l'ère Lula au Brésil, un plan de développement de l'ESS qui a été intégré au plan de développement national. Et pendant cette période, on a vu beaucoup d'innovations à travers la coopération entre les différents secrétariats, le secrétariat à l'ESS et le réseau brésilien du forum de l'ESS. Pour faire en sorte que ces programmes SM dans le pays aient également faire ce travail de cartographie d'organisation de l'ESS qui ne sont pas repérés dans les statistiques nationales. Et donc, pour toucher un plus grand nombre d'entreprises et d'associations qui autrement n'auraient pas été rendues visibles. L'exemple brésilien montre aussi l'importance de donner une continuité politique qui dépasse les cycles des élections. On voit bien ce qui s'est passé au Brésil avec l'élection fédérale, l'arrivée du nouveau régime qui a détruit tout ce qui avait été fait précédemment.
Mais grâce au fait que certains États brésiliens ont promulgué des législations fédérales au niveau de leurs États, il y a eu tout de même une continuité malgré la suppression de l'appui du gouvernement fédéral. Et puis, l'exemple de l'Équateur, ce qu'a fait Rafael Correa lorsqu'il était au pouvoir. Il faut que j'intervienne, dit Il Chongo. Vous êtes en train, Amish, de lancer un tout nouveau séminaire sur les lignes directrices. Bon, c'était tout ce que je voulais dire, dit-il. Donc, exemple de réglementation directe. Pour assurer l'accès au marché privé des produits de l'ESS. Le gouvernement de Rafael Correa a mis en place une réglementation pour s'assurer qu'au niveau des supermarchés, une part des produits devait venir de l'ESS. Cela a dynamisé les débouchés pour l'ESS en Équateur. Merci beaucoup. Tous ces études de cas et les lignes rédactrices ont été conçues par Laurence Quark, en fait. C'est elle qui a pris contact avec nous pour discuter de cette idée d'élaborer des lignes directrices pour les gouvernements locaux. Et c'est elle qui est à l'initiative. Aussi, j'aimerais donner la parole à Laurence pour les remarques de conclusion. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, permettez-moi de répondre à Ruth. J'aimerais dire que c'était l'idée du GSEF de montrer certains des exemples au niveau de nos villes membres. On ne cherchait pas des exemples modèles. Nous voulions montrer les différents paliers de gouvernement et d'administration qui collaborent avec l'ESS et également qui sont à différentes étapes de partenariat ou de stratégie pour promouvoir et développer l'ESS. Ces sept études de cas n'illustrent pas du tout les modèles parfaits. Ça n'était pas notre intention. En revanche, nous sommes convaincus du fait que si chaque municipalité, collectivité locale, administration locale doit réfléchir aux modalités qui lui sont propres pour tisser un partenariat solide avec les acteurs de l'ESS de son territoire. Donc, il faut replacer tout ceci au niveau local, dans le contexte local. Et des études, travaux de recherche existent, mais pas suffisamment. Donc, nous voulons, à travers ces études de cas, les lignes directrices, commencer ce travail. Il s'agissait de faire remonter certains éléments de preuve, en commençant par certaines de nos villes membres du réseau GSEF, sachant évidemment que nous faisons la promotion des échanges de bonnes pratiques. Sur la base de ces exemples et expériences, ont été élaborées les lignes directrices avec l'engagement et le travail acharné de Hamish, et il s'agissait de lancer un cadre qui permettait d'être utile aux fonctionnaires des administrations locales pour élaborer ce genre de politique. Et donc, le besoin de renforcement des capacités est énorme. Je l'ai dit en ouverture, il y a beaucoup de demandes qui nous sont transmises pour former les fonctionnaires de l'administration locale.
Et je pense qu'il y a une ouverture d'esprit. Ils ont été inspirés par les réussites, les exemples de réussite, mais également, ils veulent savoir quels ont été les obstacles et difficultés rencontrées par ces villes des études de cas. Et donc, pour conclure, Thierry has already written in the chat box. I think we really a déjà écrit au niveau du chat et je crois qu'il faut compiler toutes ces informations relatives aux initiatives, aux actions d'engagement de la part des autorités publiques au niveau national et local. Il faut également voir ce que font les acteurs de l'ESS afin de procéder à une sorte de cartographie au niveau local, national et international. Je crois que ces informations seraient très importantes, constitueraient un outil important et permettraient également à d'autres de s'engager et de concevoir leur propre trajectoire. Je soutiens également très solidement la suggestion émanant de Helen Heap. Le recensement local et la compréhension de l'échelle et du champ d'application de l'ESS est une étape initiale importante, d'après moi, pour pouvoir mettre l'ESS aux agendas. Au Séoul, cela a été le cas, à Liverpool et à Montréal également, et j'espère que si nous poursuivons de la sorte, cette expérience sera celle de toutes les villes, de tous les pays de cette planète. Je pense donc que nous pouvons tous vous inviter. Nous pouvons commencer avec l'Argentine et nous souhaiterions voir davantage de groupes, d'individus, d'acteurs engagés dans le recensement de ces pratiques. Nous voulons qu'il y ait un apprentissage mutuel sur les écosystèmes pour pouvoir nous inspirer les uns les autres et nous apporter un soutien mutuel. Je vous remercie pour cette session. Je pense qu'elle a été source d'inspiration et d'intérêt pour tout le monde. Je crois que nous apprenons à chaque fois, nous apprenons toujours davantage et nous parvenons à une meilleure compréhension. Nous sommes en train de forger une connaissance, une sagesse collective. Merci. Restons-en là pour le moment, mais rien ne nous empêchera de poursuivre la conversation pour parvenir à un monde plus juste pour l'ensemble des êtres humains. Je vous remercie d'avoir participé à cette session et surtout, prenez soin de vous. Merci aux intervenants, aux participants.